Vas-y, barre-toi, toi. Casse-toi de là. Qu'est-ce que tu veux? Barre-toi. Casse pas les couilles. Barre-toi. Allez, hop, file. Alors, j'avais parié sur qui, moi, déjà? Fakir, ouais, quand même des chances que Fakir s'en sorte. Ah, Grey Haze pour la boxe. Shiroa, papa, ouais, bon. Les paris sûrs. Une minute. Allez, c'est parti. Ça, c'est Topi en bas avec ses kids. On va mettre vitesse 2. Hop. Ah, j'ai hâte de voir comment Pandore va être mis. Va être joué. Ok, la team Artemis. On commence toujours par la team Artemis, les mecs. Ah bah, il y a la Pandore en face, ok. Dans une team Artemis. Intéressant. Fakir est plus rapide. Ah ouais, il la décèle, ok. Ah ouais, c'est chaud. Ça fait passer le Shijima et le GK avant. Il doit être trop vénère, Topi. Bon, le Shijima, il va y passer. Sakash Artemis. Du coup, il a pas mis GK dans cette team, Topi. Il l'a remplacé par Afro ou Seiya. Il fait mal, Shijima. Fait mal le Shijima. Ah,
Putain, mais il aura juste pas pu jouer, c'est un truc de ouf. Commence pas bien. Bon, il y a toujours Afro qui peut faire du sale, mais... Vas-tu t'en sortir, toi pirate? Ok, il a transformé Seiya. Alors, reverse ou pas? Yes, Afro. Eh, c'est pas con, il va le tuer. Et c'est fini. C'est bien joué. C'est bien joué. Et voilà. Terminé. Yo, pour un mercredi, hein. Coucou. Demain et puis je suis en week-end. Eh oui. Ah, il y avait de la Pandore, on a raté la Pandore. Je fais 35 heures en 4 jours et du coup bah j'ai 3 jours de week-end. Ah bah de toute façon, le vendredi matin, le premier qui me casse les couilles, j'envoie chier. Moi le vendredi matin, je dors jusqu'à midi, tu vois. Bon après en général, le jeudi soir, je vais me coucher, il est 5h du mat' quand même. Le Fakir qui win la première game. Bah oui, mais ça m'étonne pas, j'ai misé Fakir direct. Ouais, c'est juste histoire de la sortir. Tu dois aller farm tes cosmos et gagner plus de matchs. C'est ça. Tu dois cash play plus. Oui aussi. 2-3 000 euros par mois, tu vois, tranquille. Et puis après, on en reparle. Par contre, cash play pas comme Fabien. C'est la manière la plus désoptimisée de cash play, ok? Ouais.
Il a Il a craqué. voulu Arte... enfin, Pandore, là, il avait 0 gemme, il a fait 450 coups, je crois, donc il a tout cash play aujourd'hui quasiment. Ouais, non, mais il a dépensé, je sais pas combien, mais il a mis 200 balles au moins aujourd'hui Il a miné dedans. le stock. Entre les coupons, les trucs en euros direct et tout. Il a craqué du fond là un peu. Ouais, fallait pas l'encourager, les gars. On a rien demandé. Moi j'ai balancé une multi histoire de dire j'ai balancé une multi, tu vois. Après le reste, je m'en tape un peu le cul par terre de ce truc. Ça commence. Il y a toi pirate sur la Pandore suivant. L'autre Pandore. Enfin la Mais Pandore c'était adverse. une Pandore heal quoi, qui l'a Ouais. transformé. Ouais. Est-ce que la Bon. calamité pourrait jouer de la harpe? Tu en sais jamais. Hein. Du coup, le sort de Pandore, ça compte pas comme un contrôle parce qu'elle a pas pris, tu sais, 3 stacks de feu direct de la part de Rune. Bah attends, ça coûte pas 4 normalement de faire ce sort? C'est quoi qui Non, coûte? ce que je dis, c'est que le sort Pandore là qui coûte 4, ça compte pas comme un contrôle parce que normalement, quand tu contrôles quelqu'un de sa team, Rune il met 3 stacks de feu quand il a le skill max sur celui qui a mis le contrôle. D'accord. Et là, on n'avait qu'un du coup blanc de rune, donc elle n'a pas pris les 3 stacks. Bah, a priori, c'est pas contre et contre. J'avais vu une vidéo Non, c'est pas un d'Aruzo où contrôle. ça marchait même sur Mew, qui est censé être immunisé à tout. Une transformation, c'est pas un contrôle. Ouais, il jouait avec les mots, quoi. Alors, Comment rendre les persos anciens moins pétés? Bah, on va faire des nouveaux mots et... Ah, c'est presque un exil. il va, il est con, ouais, il attaque pas le perso avec son Milo. Moi non plus, je comprends En pas. fait, le problème c'est que si tu le tues rapidement, c'est qu'elle va revenir et elle va peut-être potentiellement re-heal. Là, il veut juste l'enlever du jeu, du game, pendant un certain nombre de tours. Non, non, parce que là c'est un contrôle que le gars peut pas annuler, hein. Il peut pas utiliser la marque de rune ou quoi que ce soit pour... C'est le contrôle ultime. Mais du coup, potentiellement, du coup, c'est-à-dire que tu peux même exiler peut-être un Thanatos et il fait rien. Mais tu m'exilais avec. Après, le Araya enlève les marques de Milo. Donc là, il a peut-être dépassé le seuil de dégâts et Fandor va revenir. Ah non, même pas. Ouais. Mais là, c'est le Radamante qui va tout faire. Hein. Radamante, il va piquer. Hein. Surtout qu'il crève pas derrière. Non, non, il crève pas, il lui reste un PV. C'est la Ouais, mais Pandore qui après il va va se lui prendre mettre. un petit coup perdu de... Non, il va heal avec Pandore. Hein. Ouais. Ouais, mais là, la Pandore, elle peut quasiment one shot. La Pandore tri, elle va faire super mal. Ah non, il exile. Ah, est-ce qu'il pourrait lancer sa boule même en exil? C'est possible, sa boule elle est encore devant lui. Je pense que c'est un bug graphique, honnêtement. Ouais, je sais C'est comme pas. la harpe qui est restée tout à l'heure quand il a changé Pandore. Est-ce que dans ces cas-là, ça ramène un personnage? Ouais, oui, ça l'a ramené. Ah, putain, il le renvoie derrière. Ouais, mais il Non, devrait pouvoir jouer quand même. Ah, il est non. mort. Bah, en soi, ça a été juste quand même pour lui. Hein.
C'était pas non plus hyper puissant en mode. La vengeance du Chakaraya fait très mal. Ouais. Il aurait fait une chouille de plus de dégâts, il aurait défoncé la Pandore en face et ça aurait fait. Je pense que la Ichijun c'est spécialement fait pour contrer les Team Artemis, c'est pas une mauvaise idée. Oui. Ou ne serait-ce que Ichijun. Hein. Pour se dédouaner, peut-être faudrait un match-up où tu joues aucun debuff. Du coup, la Pandora elle sert à rien, le Araya il sert pas à grand chose. Ouais, faut faire les deux, faut. Et les persos et les cosmos. Ah, double chinoise, ah, ça c'est la merde. Alors ça, ça veut dire que du coup c'est Fakir qui win. Parce qu'il a des meilleurs speeds tout simplement, c'est-à-dire que son canon joue avant le canon en face et son Mew joue avant le canon en face. Son Mew joue avant le canon en face, tu vois. J'ai envie de dire non mais what the fuck. Ça m'a compris quoi, c'est quoi ce bordel hein. Ça, il joue avant le canon en face. Là, il y a son chat qui te regarde en mode, mais je ne comprends rien à la streamer. Elle m'a regardé en mode, mais ferme ta gueule, connard. Hein. Laisse-moi pioncer. Tu vois bien que je suis très occupé là. C'est ça. Elle est en mode grossier. Ouais, moi je suis un beau gosse. Jamini Bonds. C'est parce qu'il faut que t'ailles en Turquie faire greffer des cheveux, gros. Je sais pas. Le mec il crée 2000 comptes juste pour se mettre des ailes de light, quoi. Je pense que Fakir va passer là au niveau de la team, il a un temps d'avance à chaque fois. Le canon est plus rapide. Ouais, le canon est plus rapide, par contre son AD c'est plus lent. Ouais mais là t'imagines qu'avec son canon il peut ban. Il a plus de choix, il peut même ban le canon adverse. Il... C'est ça. Mais c'est exactement ce que je ferais hein. Je veux dire, tu bannes le canon adverse, tu niques toute ta team en soi, parce que derrière, tu balances ton Mew, enfin, c'est une tuerie, quoi. Là, je te dis, le Mew, il joue avant, juste avant le canon adverse, en plus. Donc, et tu peux buter le Mew adverse, avec au passage. Là, il met un mur sur Mew, sur canon. Il a froid sans canon. Eh bah oui, il est pas con hein. Par contre le problème c'est que Mew peut quand même cibler son canon et lui charcuter la gueule. Après je sais pas si ça suffira pour le one shot mais il y a moyen hein, c'est du fakir. Ouais, du coup il est obligé de mettre soit le Shun GC, soit le Chion Surfi hein, dans le triangle. Il peut mettre personne d'autre. Parce que du coup, s'il met rune ou Hades, du coup, ça enlèvera le triangle avant que son propre Hades et son propre rune y jouent. Et du coup, c'est pas opti pour lui, quoi. Et qu'il mette Chion ou Shun Hades, le mieux, ça va être Shun Hades. S'il met Chion, en plus, ça fera rien parce qu'il restera quand même sur le field derrière. Donc pour moi, ça va être Shun Hades. Après, je peux me tromper, hein. Il va peut-être empêcher un truc, je n'en sais rien, mais ça me paraît quand même logique. Ouais, Hades, du coup. Ok. C'est-à-dire qu'il compte pas sur son propre adresse, il compte juste son Mew et son rune du coup. Et son rune. Mais si le Hades il est en dent de dragon, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de dégâts du triangle. Mais ça l'empêche par contre de balancer ses coups. Quoi. Voilà. Pouh. Blessure vitale. Ouais bon après quand il fait des baffes à 130 000. On va dire qu'il one-shot un peu qui veut. C'est ça. Bim, 111 000 le plus. Ah ouais, ça
Donc là, je pense qu'il est en train de cliquer sur tous les persos, voir qui est-ce qu'il pourrait cibler, qui est-ce qu'il n'y a pas de dents de dragon. Après, le canon, vu qu'il respawn en fait en un deuxième mec, je ne sais pas si ce soit qui en fait de mettre dans le triangle, tu vois. Il a pris le Shadaness. Saga, quoi, ou je sais pas quoi. Ouh, il a survécu. Et voilà, et il est là en fantôme. Ouh, il a pas, il a rentré bien 200 000 de dégâts. Ouais. Ah, mais il va devoir s'inscrire sur son attaque. Voilà, 300 000 de dégâts, tu veux dire. Ah, mais ça va faire mal. Après, je pense que en fonction des speeds, en fait, c'est ça surtout qu'il va jouer. Là, il va mettre le mur de toute façon sur son Mew tranquille pour éviter qu'il meure. Ou sur son canon, peut-être, je sais pas. Je pense qu'il va prendre énorme de dégâts en soi. Ouais. En fait, la triangle elle est vraiment pénible avec le chion plus les fantômes. C'est dur d'aller chercher les gens que tu veux en fait. Tu vas ADS en face, il va crever. Tu vois, bam. Allez, plus d'ADS en face maintenant, c'est fini ça. Ouais. Ah, moi je serais lui, je pète le ADS. Au moins, c'est toujours ça de pris en moins parce que si le ADS il se réveille là, c'est fini. Ou alors il pète le rune. Parce qu'en soi, le Hades va crever de toute façon, je pense. Ah, il est en mode hésitation. Ah bah non, il a pas fait. Ça pique. Bon là, il va sûrement retriangle. Le Hades, il va douiller là. À moins qu'ils soient en dents de dragon, et à ce moment-là, ce sera un move de bâtard. Mais franchement, sinon, ça va te bouiller sur toute l'équipe. Salut, Ton. Ah, ça va encore. Tu vois, je pensais à pire. Et bim. Il a annulé le canon et il peut mettre quelqu'un dans le triangle direct, ça va être le rune, de toute façon. Il a pas le choix. Il est caché encore le canon en face. Ouais. Voilà. Ça évitera de prendre trop de dégâts. Le Hades il est caché, il va l'attaquer. Ouais, bah tu es peut-être le canon. Le canon ouais. En face, ouais. Ça c'est bien. Bah le je sais pas, ouais, c'est possible. Là il va tuer Hades. Ou au moins faire proc la dent de dragon. Ah non, elle a même pas proc. Ah si, elle a proc, bah forcément. Même pas, elle a même pas proc la dent de dragon. Pas grave, il a encore un tour. Ouais, mais du coup, il a plus de tour maintenant. Et la dent de dragon, elle est toujours là. Ah bah, tu m'étonnes. Plus tu vas te faire du mal. Plus 13, plus 91 000 PV, il a. Plus 91 000 PV, quoi. Il a mis mixeur de fleurs niveau 50. Ah là c'est Fakir qui passe je pense. Là il a largement de quoi passer. C'est du 5 contre 2 bientôt. Ou du 5 contre 1. Ouais je pense que le rune il va y passer là. Ah c'est marrant que son... Ah même pas putain il en était pas loin quand même. Oh, oh, oh. Ouais là c'est fini. Le Hades il passe full life avec le rune tranquille. Peut-être pour pouvoir enlever le champ adverse ou le champ adverse, je sais pas. Et là, ça fait mal par contre le chion. Ouais. Voilà le chion il va balancer deux fois son attaque, il va faire deux fois 150 000 et basta. Même pas une fois peut-être pas le faire. Ah non, 57 000 tiens, je pensais qu'il ferait plus de dégâts que ça. GG pas tir.
Bon, il lui reste tout ce qu'il veut, je pense. Il lui reste même une Team Black Saint, il lui reste ce qu'il veut, le gars. Ouais, c'est ça, quoi. C'est un poisson que tu t'es bouffé, qui est fait. Ouais, c'est pas mal, hein. Avec le tabasco vert, le meilleur tabasco, gros. Le tabasco vert. Voilà qui est fait en fait. Je crois qu'il est pas dans. Ah non, il est pas là. Sûrement slow le canon jusqu'au bout de la nuit. Ouais, il est pas dégueulasse. Ouais, c'est potable, quoi. Ouais. Il va passer sa chinoise, du coup. Là, il a sûrement slow, non? J'ai pas vu. のぼれ竜よ。よかろう。ジェミニボンズ。シルキーバインド。もう時間がない。目障りだ。 Alors, est-ce qu'il va proc le rock 40 000 fois? Ah, il est en chimère là. Ah, chimère. Ok, ok. Bon, bah, le triangle arrive. Comme d'hab. Du coup, il va sûrement mettre Shiryu dans le triangle et puis tuer ce qu'il veut. Et du coup, il aura pas la marque de rune. C'est dommage. Il fera pas autant de dégâts. Ouais, ouais, ouais. Bizarre qu'il l'ait pas mise d'ailleurs. Ouais, il l'a mis là, mais du coup, il pourra pas avoir le double tour. Après, avec le hypnose qui heal comme un sale, il a quasiment le double tour garanti. Il a pas fait grand chose le Thanatos. Hein. Ouais, effectivement. Il a fait vraiment très peu hein, sur la roue. Bah, ça a été en partie heal par le Shenades. Par exemple, si tu regardes le rune, il a perdu plus de vie que les autres parce qu'il a pas, il avait pas le heal. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, non, mais en soi, tu vois, d'habitude, on voit des Thanatos qui défoncent la moitié de la vie. Voilà. Là, on voit le mec qui a fait. Ah, par contre, le spell 2 là, il fait très mal. Là. Ah, c'est mieux là. Ah, c'est mieux, là. Là, je comprends mieux. Après, je sais pas s'il a vraiment besoin de son rune dans l'immédiat. Oh, ça, c'est... Oh, putain, il est pas mort, sérieux, il reste un PV à ce bâtard. Mm. Bah, il a peut-être le Cosmo qui donne beaucoup de vitesse. J'ai du mal à voir.
L'arbre de résurrection. Non, c'est éclat. Non, mais. Éclat. Non, le champ sur pi. C'est arbre de résurrection, ouais. Voilà, tout s'explique. Tout s'explique. Mais c'est vrai que ça lui va bien l'arbre sur champ. Ouais. Donc là, il peut pas exiler le chahut parce qu'il l'a planqué. Ouais. Donc il pourra pas aller kill le Milo comme il aurait voulu, j'imagine. Chaîneur dans le dragon. Hades Laurier. Ouais. Le problème, c'est qu'Hypnos il est plus rapide que la plupart de ses persos. Enfin, pas mais c'est pas grave, il prend. Hypnos, c'est mieux que rien. Ouais, Hypnos, ouais. Il a sûrement affreux son canon. Non, chiant. Bim. Ouais, mais là, ça sera pas suffisant. C'est clair que non, en plus, il a eu l'annulation de dégâts. Ouais, il a chaté. Mais je pense pas que ça aurait joué, de toute façon, le reste n'aurait pas pu le. Il a dû crier la topie là. Il a dû insulter les darons là. Ça aurait rien changé, en plus Fakir il a énormément de vol de vie donc. Le pirate est spawné gros. Le mec il va dire oh, putain mais pourquoi je suis pas super vite l'enculé là. Pourquoi il est trop. Mais je pense en plus c'était pas un bon choix parce que du coup il a fait moins de dégâts et il a pas réussi à faire pop le triangle sur le Hypnos. Là il doit stater savoir s'il est exec avec Athéna ou pas. Rune. De combien avec ça coûte 4 encore 3 ou 3 là je sais pas j'ai pas la qualité suffisante pour voir moi non plus je suis en 360 alors le triangle qui part hop le chariot qui se fait mal tout seul là je dis oui tu vois là c'était le chaos de Thanatos. Ah bah le Shiryu de toute façon avec le truc d'Hadès dessus, c'est compliqué là. De toute façon là en fait, Shiryu va jouer, donc il va sûrement aller chercher le canon. Ah je sais pas, il va quoi, balancer les dragons tu veux dire. Ouais je pense qu'il va taper sur le bouclier une première fois peut-être avec Thanatos et après avec les dragons. Ça dépend combien de il reste en fait de vie on va dire à Chion. Si Chion il reste ouais. Il va balancer. Ça se trouve il va tuer Mew. Il va peut-être juste faire le coup blanc pour tuer le canon. Ouais possible. Bah ouais ça évitera qu'il croque. Ouais, non, il a balancé. Il a voulu assurer la chose. Grave. Je pense. Bah, monstrueux. Du coup, la vengeance du Mew. Regarde. Ah oui, oh, oui. Oh, mais non, mais. Ouais, ça va. Ah, putain, quand même. Annuler les premiers dégâts, quand même. Ah bah voilà. Ah, eh, trois fois de suite, je pense qu'il aurait cassé l'écran. On aurait vu un rush kit, tu sais. Bon, là, ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué. Victoire de Topi, peut-être. Bah oui, normalement là c'est bon avec Mew. Il y a Hypnos qui va se manger l'œil, mais genre est-ce qu'il peut mettre genre son contrat sur son chien pour pas se manger l'œil. Son Hades va se manger. Salut Moumra. Ouais, mais est-ce qu'il peut mettre le contrat sur son spectre de chien, tu vois. Je crois pas. Ah, bon bah ça va pas suffire, il va se manger l'œil. Ah non, c'est... prochain tour. Ouais, mais je crois pas qu'il survivra jusqu'au prochain tour. Faut être honnête là. Non, non. Ouais, non. C'est fini. C'est fini. 2-2 donc. Ah, voilà. C'est bien ça. Je voulais le un 2-2. Le suspense, c'est ouais. Insoutenable. C'est cool ça. Moi, tu vois, je me serais plus heal avec le Shiryu quand même, tu vois. J'aurais pas envoyé le dragon. Je me serais juste heal et il aurait peut-être tenu. Ah, ouais. Ouais, peut-être juste le coup blanc, ça aurait suffi enfin, en vrai. Hein. Le se débarrasser du canon. Il serait pas mort et il aurait pu. Il a peut-être été un peu gourmand, je suis d'accord, ouais. C'est vrai. Ouais, il a peut-être perdu sur Smith Clay. Parce que du coup, ça aurait continué à protéger le Milo. En plus, il y avait une première annulation de dégâts. Oui. Il serait pas mort. Ah, ouais. Non, ça aurait pu être le meilleur move, je pense que c'était ça. Ce heal ou alors le laisser tel quel, tu vois, et puis.
subir en silence, quoi. Alors, reste de l'Artemis côté Toppi. En fait, il a voulu refaire ce qui s'est passé en finale de Jamir All-Star, là où il avait balancé Shiryu, ça l'avait défoncé. Je pense là ils sont en mode mind game poker, alors j'ai joué ça, il va jouer ça, mais il C'est sait que je ça. vais jouer ça, du coup je vais jouer ça, mais il sait que je sais qu'il sait. Moi, je pense Toppi, il va ressortir la Team Artemis. Team Oui, Artemis. je pense. Je pense qu'il va vouloir en faire passer, mais c'est-à-dire que Fakir peut ressortir la même team. Et la même La team, chaka. c'est la merde. Hein. La chaka Et pendant là, d'abord. il part avec Hypnose et tout. Ah, Ichijun. Vous aviez vu juste. Ah, le malin. Il va. Voilà. Ah, il avait fait le pari. Et Il a bien parlé. ouais. Après, il a pas tant de debuff que ça. Ouais, mais après, c'est pas une histoire de debuff, hein. Non, mais là, Ça, c'est. c'est surtout une Là, c'est histoire con. de pouvoir placer June avant que tous les autres ils attaquent, et à ce Voilà. moment-là, ça sert C'est ça. Et après, il a Araya, Thanatos. Ça va être. Ouais, mais là, il va pouvoir reverse éventuellement la June aussi, non? Bah, il pourrait Ouais. mettre son Terra au prochain tour et reverse la June, ou il Ouais, reverse la mais en June plus, tout de suite? ça va dépendre. Son Ulysse, il doit être en décélérateur, donc ça veut dire que la June va être plus lente du coup que la Artemis derrière. Donc tu vois, il y a des petits trucs comme ça, je pense, qui vont se jouer. Ah, en plus sur un décélérateur, ça va buffer de ouf. Mais oui. Peut-être le Et mieux si qu'il puisse faire, c'est peut-être un coup blanc, tu vois. Avec sa Artemis, même pas mettre le Terra. Ah, c'est ça. Il est Et dans la merde. s'il doit faire ça, il est dans la grosse merde. C'est vrai que Il va c'est. même tuer tous ceux qui Mais je pense que déjà, il a oublié ça fait des marais parce qu'il n'y a que deux cristaux. Donc il nous a fait une Tanen. Et potentiellement, il peut perdre juste là-dessus, tu vois, parce qu'il n'a pas fait des marais. Il y a à peine eu deux coups, il balance déjà son AoE Ouh, et puis ça arrache. Hein. le Thanatos. Ah ben là, ça a fait du mal. Je pense que là, on est d'accord pour dire que c'est Fakir qui va C'est la prendre. ouais, c'est ça. Ouais, il pourra rien faire. Ça paraît Pandora, compliqué. elle va Ouais. healer comme une dingue et. Non, en plus, il y a une évaluation de dégâts sur la il a eu C'est, le c'est charme. les... Ce Il sont a de tout. gros 20%, ok? Ouais, non, mais c'est lui 300 de front. Le mec, il a quasiment autant de proc que le RC de Seiya, tu vois. Ce sont des 20 gros pourcents. Là, tu regardes, il a pris quoi? Allez, 10 coups depuis tout à l'heure. Sur 10 coups, il y a peut-être 4 annulations de proc. Il a eu du bol, ouais, pour Ah, l'instant. il a du cash play et du coup, son Milo, il a 40%. Alors que les autres, ils ont Pour les gros 20%. cash players, il y a des fonctions cachées à Voulez-vous débloquer. avoir 40% en échange de 60 000 coupons? En fait, il y a le cinquième sort caché. Oh, il a abandonné Oh, directement. ouais. Ah ouais, il arrache kit. Il arrache Il kit, le a. bâtard. Bah oui, de toute façon, oui. Le match-up est. Ah, Le bien match joué. Tu pouvais rien match-up est faire. dégueulasse, ça, c'est clair. Bah, il a aussi oublié ça fait des marais, tu vois. Il a aussi oublié son honneur parce qu'il aurait quand même pu terminer le match en mode bien joué, tu vois. Et pas en mode rage quit, Il reste. de Il reste papa, vas-y, on va terminer là-dessus. Alors, attends, putain, je voulais voir Ah les trucs merde! là. Bah, il y avait Sherwa qui a gagné, et en bas à Ouais, gauche. ça j'ai gagné. Et en bas Et à. Graze a gagné, donc ça j'ai gagné mes marais. Moumbra, il va pleurer maintenant. Il a gagné, donc j'ai encore gagné. Et Oh là, bon, là! après Oh c'est. là! Oh là! Regarde! Ouh, c'est tendu du cul. Mais tu sais que je savais pas, j'ai appris que Gianluca c'est le compte à Ilfette. Donc un gros compte quoi. Ouais. Après, c'est quand même papa qui est en face, Oui quoi. Il y a oui. toujours moyen de je pense, C'est mais. ça. En face, il n'y a pas l'air d'avoir de debuff. Et Par contre, l'équipe la de Pandore papa, elle a Trident. l'air plus Ok, optique contre du debuff, hein, mine de rien. check la Pandore Trident, s'il te plaît, en face là. Après, comme il joue Artemis, il peut avoir des heals 3-5-3-5. gratuits quand même, mais. Elle est 3-5-3-5. Tranquille. Ultra rapide. Il a même pas Ouais. mis sa boule. Je sais pas si c'est un bon move de pas mettre la June en vrai. Bah, pour l'instant, je pense sur ce tour-là, il craint pas grand-chose. Je pense pas que GK tue un perso pour l'instant. Ouais, je pense pas. Je pense Et pas. puis, Je puis Il pourrait, il devrait peut-être affronter, il Radha devrait va peut-être affronter charger. son Mew pour éviter de se faire C'est mettre dans exactement le ça. cauchemar. Ouais, il vient de le faire Oh là là, ok. Quelle prédiction, là. Ludwig. Mais qu'il est bon, quelle analyse! T'en veux? Je veux bien, ouais, j'en ai besoin. Là, il pourrait garder ses cristaux, exiler quelqu'un après. Non, il va taper. Ouais, je sais pas si c'est hyper utile parce qu'en vrai, Pandora elle va se heal dès qu'elle aura joué.
Du coup, il est parti en mode dégâts là, non? Ouais. Ouf. Pourrait mettre le bouclier sur Sean Hades et du coup laisser le Hypnose adverse se prendre les dégâts à sa place. Ah oui, ça renvoie aussi les tics sur Hypnose. Ouais, eh. Bah c'est ce qu'il fait. Salut, bon là fait. Il s'est pas encore beaucoup heal, du coup le Mew a pas pu se transformer, mais sur un malentendu il peut faire très mal je pense. Ça va Kefe, y'a pas de match ce soir? Non. Ok. C'est bon, on est cool aujourd'hui. Tranquille. Y'en a mais ça m'intéresse pas. Ça va, t'as la bouche enflammée un peu là. Ah, il est content, il reste la suite de la June, du coup Shaka pourra pas absorber les filaments de Mew. Bon, avec la Pandore et Artemis, je pense que le Mew devrait être transformé vite fait. En attendant, le Mew il peut se faire reverse par l'Artemis en face. Hein. Pour l'instant, il est caché. Bah ouais, pour l'instant, il est caché. Et sous Aphrodite. C'est la dernière manche où il est caché. Hein. Je veux dire, après, il sera plus caché. Mais après, on n'a pas encore vu la Pandore en action, tu vois. Elle pourrait peut-être enlever la June ou enlever un personnage intéressant. C'est une bonne technique si le. Enlever la June. Son Mew. Ouais. Parce que là, ça va durer 2 tours et quand il va vouloir le river, ça va lui coûter plus cher. Ouais, non, mais après, d'accord, mais en quoi, bon, là il va. Mais en plus, il y a moyen qu'il se retransforme vite. Là, entre les heals de Hypnose et heals de Pandore, la June. Ouais, il va être full télékinésie, il va facile avoir 3 attaques. Non, mais par contre, c'est vrai que s'il transforme la June, après, ça va être plus facile pour tuer derrière, quoi. Donc, en plus, il a gardé ses cristaux. Je sais pas si quand tu transformes June en calamité, est-ce que ça enlève la liane? Aucune idée. Ah bah écoute, ça serait intéressant à voir, ouais. J'ai pas encore regardé ce qu'elle fait, tu vois, j'avais pas envie de me faire spoil. Je crois pas, hein. En soi ça va être comme les autres, il va y avoir un bug graphique qui va faire que... Enfin, dans tous les cas, ce qui est possible, c'est que quand elle ressort, du coup, quand, tu sais, quand elle entre calamité que tu la butes, qu'elle revient, a priori elle sera pas dans la liane. D'accord. Ouais, c'est bizarre quand même. Enfin, j'imagine. C'est spécial. L'autre, il reste dedans. Ça. Ouais, c'est un peu bizarre. Comme quand tu l'envoies en l'air, Garuda. Ouais, j'imagine que ça devrait être comme ça, mais je suis pas sûr, tu vois. Mais Pandore. Alors, est-ce qu'elle est dans la liane? C'était pas un bon choix, je pense. Ouais. Parce que non, coup, regarde. Est-ce que c'est un bug graphique? Est-ce que c'est un bug graphique ou pas? Elle y est pas là. Alors. On sait pas, hein, des fois, franchement. Bon, après, elle va pas prendre énorme de dégâts de. De radar, mais par contre, elle va pouvoir prendre à donc de... Bah, Mew. Mew, là, il peut la tuer tout de suite. Ouais. On va tout de suite voir d'ailleurs si elle est sous liane ou pas. Si il Alors là, c'est bizarre parce qu'il double tour radar, mais radar, il a besoin de 2 cristaux pour relancer une fois supplémentaire sa. Ouais, c'est vrai. Son attaque. Donc il aurait peut-être dû double tour Mew ou Kanan à la place. Il a dû oublier, je pense. Ouais, non. Peut-être une erreur. Ouais, ça va faire la gueule. Bon, là, il devrait tuer la Pandore quand même, puisqu'elle est sortie de. Bah oui, je sais pas pourquoi. Pandore, elle a je sais pas pourquoi il fait ça. Pourquoi? Ouais, j'ai pas compris non plus. C'est parce... Ouais. C'est parce qu'on est des génies en fait. Tout le monde peut pas tester nos stratégies de l'espace. Non mais ça fait, c'est bizarre, ça fait 2 misclics d'affilée quoi, quasiment. Enfin 2 mauvais moves. Ouais, mais il est tendu, ils disaient ah, il y a moins que je gagne, tu vois. Tu ouais, tout seul, c'est ça. Ouais. Ils disent je suis à 2 doigts de passer en demi ou. Après il va lose et il va ressortir la même team au tour suivant. Tu vois. Ita. Mais vous regardez qui? Gianluca, papa. Papa. Ok. Bon là honnêtement ça sent un peu le pâté, tu vois. Il aurait peut-être été bien s'il avait double tour Mew, tu tues Pandore. Ouais, il aurait peut-être été mieux. Après je sais pas non plus si c'était le meilleur move d'exiler Pandore. Peut-être June, ça aurait peut-être. Ouais, franchement, ouais, moi j'aurais testé June. Hein. Parce que là le problème c'est que du coup. Parce que pour le tour en cours, elle a la liane, mais au prochain tour, elle la posait plus quoi. Et après, avec son radar, il pouvait faire du sale. Parce que là, il a plus vraiment rien pour enlever la June. Donc, soit il arrive à faire suffisamment de dégâts et ça passe. Mais avec le Hypnose, plus la Pandore, plus l'Artemis, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de heal. Hein. Ah, bah là en bas, c'est la team cancer de ouf du moment, quoi. Hein. Hypnose, June, Pandore, c'est l'horreur. Bon.
On va s'acheminer vers un 2-2, ça va être top. On veut une troisième manche là. Ouais, bah oui, de toute façon. Moi je veux que papa il gagne là. Bah oui. À nous les fleurs, on s'en fout du Jamir et des gens, on veut les fleurs. Rends l'argent aux abonnés. Bah oui, bah de toute façon, lui aussi s'en bat les couilles de nous. Mais c'est ça. Donc c'est tout à fait normal, voilà. C'est un bon échange, un échange de bons procédés. Mais y a pas d'international après, en fait. C'est un Jamir normal, y a pas de match international après. Je crois pas. Ah bon ? Je sais pas si c'est tous les Jamir, je suis pas sûr. Bah, ça fait plusieurs fois qu'on l'a, donc peut-être c'est tout le temps maintenant. Sinon. Si c'est le cas, tant mieux, c'est-à-dire que tu peux miser. Ah oui, carrément, ouais. Sur papa ? Non, tu prends un cœur, toi. Dari, je me fais un quartier. Vas-y. Ouais, non, il fera jamais assez de dégâts. Yes, moi on veut les fleurs, c'est clair. Bon, je prends juste les feuilles d'acanthe, les 10 gemmes, et si j'ai assez, je prends des boîtes de fleurs encore. C'est les fleurs d'acanthe. C'est important, ouais. Et voilà, ça fait rien du tout. Ouais, c'est mort. Abandonner là. Ouais, il pourrait abandonner là. Il a misplay. Ouais, il a mal géré son truc. Il aurait défoncé Pandore, je pense qu'il aurait mis un peu plus de chance. Ouais, déjà, tu mets. Moi j'aurais mis June, Calamité June, ouais. Ouais. Tu veux Pandore? Ouais. Il aurait Calamité June, même si elle était pas morte, il aurait pu os June avec son Mew, et derrière le reste de la team aurait suivi, tu vois, petit à petit, avec son Mew. Donc quoi qu'il en soit, non, il a mal géré son truc. Après, bon, on est amateur. Il est en face de n'importe qui à l'hôtel entre nous. Il nous défonce, tu vois, pour aller faire ses mains. La puissance de la CB est difficilement. Mais je trouve ça un peu ridicule, c'est à un moment ils ont annoncé qu'ils voulaient faire des tournois professionnels. Mais d'où tu fais un truc professionnel où c'est ta carte bleue qui décide. La plupart des tournois d'e-sport, c'est sur des jeux gratuits, enfin free to play. Que ce soit les MOBA, les jeux de course, même les jeux. Enfin, pas les jeux de baston. Et dans les mais autres. Mais les jeux de baston, c'est juste un buy to play. T'achètes le jeu et t'as rien à acheter derrière. Tu vois, c'est ton skill qui fait que tu gagnes. Ouais, ouais. Là, c'est clairement ta carte bleue qui t'aide de oui. Manière non négligeable. C'est ça. Donc, au prochain Jamir PVP, dans 2 ans, il n'y aura que des princes des Émirats arabes. Les mecs qui avec à Paris. Ça. Mais il me semble qu'au début du jeu, il y avait des rumeurs comme quoi il y avait un gars qui était justement un prince qatari. Sérieux ? Il a rage quit au premier Jamir où il s'est fait sortir par Top Pirate, tu vois. D'accord. Mais il avait dépensé déjà une quantité non négligeable de thunes à l'époque. Ah ouais. Au premier Jamir, il avait déjà tous les persos 5 partout. Putain. Enfin, il n'y en avait pas autant, mais c'était quand même. Pour l'époque, quantité de thunes dépensées, c'était pas mal. Ouais, en fait, au premier Jamir, il y avait, il me semble, un gars qui était censé être un. Enfin, on pensait que c'était un prince saoudien. Et en fait, il a rage-quitté le jeu après sa défaite au calife du Jamir. Je crois qu'il est sorti en 8ème contre Topi ou un truc comme ça. Ouais, il a revendu son compte. Oui, voilà. Mais il a revendu pour beaucoup moins que le compte, tu vois. Enfin, la valeur qu'il avait mise. Mec, il avait déjà tous les persos 5 partout et tout. Ouais, ouais. Je me rappelle plus de son nom d'ailleurs, mais. Moi non plus, là, ça me vient pas. Faut que je réfléchisse, peut-être je retrouve comme ça si je. Les Chinois, Moumra, ils boycottent encore un peu, je crois, j'ai l'impression, le Jamir. A chaque fois, il y a la moitié qui joue pas. Bah, je sais plus qui disait qu'apparemment, ils s'arrangent entre eux, c'est ça se gagne. Ouais, et en plus de ça, ils font des arrangements, ouais. C'est chelou leur truc. Non, mais on dit ça, les gars. Ça a des heures de fou, et il y a des mecs qui sont pas chinois. Tu vois, la plupart des joues, des gars qui jouent sur la chinoise, sur la SEA et tout, ils y sont même pas asiatiques. Ah bon ? Donc, l'heure du Jamir, mais oui. L'heure du Jamir, exemple. Ils ont le Jamir, par exemple, eux, ils ont les DG, je crois, entre midi et 2. Les DG du soir, eux, ils tombent entre midi et 2. Et le Jamir, c'est à 4h du mat, ou je sais pas quelle heure, tu vois. En heure européenne.
Ouais, mais les gars, ils ont quand même réussi à se qualifier, donc c'est-à-dire qu'ils ont quand même joué les qualifs, non? Ouais, mais parce que les qualifs, ça va, je crois. Les qualifs, je t'ai dit, il me semble, hein, peut-être je me gourre, mais il me semble que eux, ils ont le premier truc, la première séance de DG que nous on a là. La première, elle est en 3h et 5h du matin, un truc comme ça. Et la deuxième séance de DG que nous on a là de minuit, de 8h à minuit, eux, ils l'ont de midi à 16h ou de 11h à 15h. Je parle heure européenne, heure française là, tu vois. Ouais, il me semble la Chine, on a 6 ou 7 heures de décalage avec eux. Voilà. Donc au final, la truc de la journée, tu sais, le mec pour farmer, ça l'arrange parce que c'est l'après-midi. Tu sais, pour farmer le DG au final pour monter. Par contre, le truc du Jamir, ça tombe le. Ben regarde, tu verras, regarde avec le décalage, je suis quasiment sûr que c'est ça. Le Jamir, il tombe à 4h du mat. Ah, c'est Ouais, la du coup. journée des sauts, il va cramer Kina Monotonata. La chinoise. On a une En plus, la chinoise classique en japonaise, bas. tout le monde croit qu'on est parlé de la japonaise. On n'en entend jamais parler. Ouais, c'est vrai en Que la plus. Pandore transformerait le C'est Hades. parce que c'est la plus récente, la japonaise. Justement, pourquoi on n'en entend jamais parler? Parce que nous, en tant que joueurs européens, on s'en bat un peu les couilles, tu vois. Ils sont À la trop base, on débarqués, regardait la peut-être. SEA parce qu'ils étaient un peu devant nous, du coup, on regardait les persos, etc. Et maintenant qu'on a dépassé la SEA, maintenant on regarde beaucoup la chinoise en mode ah, qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qui va sortir, etc. Puis Mais on n'a jamais la regardé. version Jap en plus elle est très différente, les persos ils se montent pas de la même façon, c'est spécial je crois. Tu sais ils ont pas les bouquins bleus. Les books ça n'existe pas chez eux. Ça veut dire que si tu veux mettre des doublons, t'es obligé de choper les persos. En plus. Ah, Je, c'est la donc carotte. c'est la Ah, carotte. T'imagines le prix pour les mais monter c'est normal. 5-5-5-5? Mais en Combien? vrai, c'est normal. Parce que les Japonais, c'est des ouf. Bon. Ouais, et en plus, SNCA, ça doit être une grosse licence aussi là-bas. Ouais, il y a Je moyen. crois pas. Et après, en plus de ça, SNCA, c'est une méga licence au ils peuvent Japon. aller au-delà de 80. Ils ont un Il système pour aller au-delà de n'y 80, je crois, les persos en a plus. que en Europe, tu vois, en Europe et un peu le Brésil et tout, tu vois, où vraiment c'est violent, SNCA. Hein. Ouais, au Non, Japon, mais je parle pas de ça... SNCA Awakening, hein, je parle de la licence Mais même la SNCA, licence, elle a l'anime, baissé un peu. Hein. le manga et tout. Elle est plus Ouais, mais c'est si... bof. C'est plus Même si la licence populaire. SNCA, C'est plus... c'est bof au Japon, tu vois. Je dis pas que c'est inconnu, mais c'est bof, hein, c'est vraiment bof. Peut-être qu'ils sont plus sur Naruto ou One Piece. Non, mais ils Ah bah sont c'est plus sûr. sur n'importe quoi C'est d'autre. sûr, Dis n'importe quoi d'autre et c'est plus que... Tu vois? Même Goldorak, et ben c'est plus que SNCA. Ouais, après, dès qu'il y a des robots dans un manga, ils sont Voilà. fans. Oui. Dès qu'il y Des a des robots. Gundam. Ouais, ils sont fans des Gundam. Les univers un peu steampunk aussi, avec des robots, ils kiffent. Même Genre, les pour trucs un ça. peu, genre la vision d'Escaphone, tous ces trucs comme ça, ils sont. Ou Ouais, Évangélion. ça y est, ça, ils sont à fond dedans, C'est. là, des trucs comme ça. Ah merde, comment il s'appelle ce truc? Gun X Roses, je crois. Gun X Roses, un truc comme ça. Gun X. Il y en a tellement. Ouais, il y en a beaucoup. Quoi, Gun? Non, non, Gun X Sword. Gun X Sword, il est excellent ce Gun Vous X. savez, moi j'ai des mangas de fou, hein. Chez moi, j'ai des mangas de Nikkei, hein, que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a lu. Mais il y en a plein. Hein. Je pense qu'on n'a même pas, on a même pas Oh, idée du nombre regardez, de... on a un mini cocon, Ouais, c'est c'est trop ça. Je mignon. pense qu'on n'a même pas idée du nombre de mangas qui existent. Regardez, il y a un Ouais, mini moi chez moi, cocon. j'en ai des trucs inconnus sur mon bataillon. Après, peut-être que vous connaissez. C'est un mini cocon, il est mignon, on va voir un mini mieux peut-être. Ah non, Même dommage. Gunslinger Girl, si tu veux. Ouais, ça me parle. Là-bas. C'est vieux ça me parle, mais c'est vieux. Gunslinger. Ouais. Gun, c'est vieux aussi. Hein. Gunslinger, j'ai Baptiste, si tu veux, à la baraque. J'ai Jusqu'à ce que la mort nous sépare. J'ai les Kenshin. J'ai Kyo. Ah. Kyo aux yeux rouges. J'ai C'était quoi ça déjà? J'espère que tu arrives. J'espère que quelque chose. Moi j'ai acheté l'armoire, j'ai commencé à la remplir, mais pour l'instant il y a encore pas mal de trous. Hein. Faut que je trouve des bonnes licences. J'ai la logique des âmes, j'ai Hippo, j'ai la fin du monde avant le lever du jour. Les gars, je vous dis, j'ai des trucs de ouf. J'ai la vengeance sanglante. Oh, les noms. Ah, des nouveaux? La vengeance sanglante. Ah, ça vous connaissez. J'ai Togari, ça vous devez connaître. Deux noms. J'ai Purosakuro, si ça me dit aussi quelque chose. Bon, ça me dit rien. Bonjour, au J'ai les revoir. Lamentations de l'agneau. Il y en a un, il s'appelle les Lamentations de l'agneau, les gars. Je rigole pas. J'ai Tokyo Ghoul, vous devez connaître aussi. Ouais.
pas mal, ouais. Eternity. Eternity aussi. C'est quoi le nom déjà? Wild School. Ouais, t'en as un sacré paquet, ouais, c'est clair. Attention, j'ai pas à chaque fois la série entière. Hein, ah oui. Série entière, mais il y en a où j'ai pas la série entière. Tu vois? Et Manhole aussi, si tu as dit quelque chose. Non, ça sert à rien. Je vous enverrai les meilleurs, je vous les prends en photo. Ouais, tu nous mets une petite photo de la couverture. Ouais, parce que au cas où, ils sont inconnus, mais il y en a qui sont terribles. Après, ils sont inconnus, je sais pas, peut-être les gars qui connaissent. Ouais, c'est que ça fait longtemps que je suis plus vraiment dedans. Ouais. Peut-être qu'ils devraient transformer Chion pour éviter qu'ils remettent le bouclier, comme ça après ils peuvent aller buter le lion. Moi, je dis ça se tente, hein. Moi je suis pas en train de regarder, je peux pas filer. Mais en vrai, en face, Gianluca il est pas bien, il est pas mal. Non, faudrait qu'il arrive à se débarrasser du Mew d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que je pense que s'il transforme le Chion, bah ça peut le dédouaner. Ça peut le dédouaner. Après, est-ce que son bouclier reste? Ouais, mais une fois qu'il est parti, le bouclier de toute façon. Mais il y a commencé à y avoir trop d'effets graphiques dans le jeu, là, entre Rune, Chion, machin, je sais pas dire si Mew il est sous Aphrodite ou pas, c'est un peu dur à voir. Ah non, c'est Hadès qui est sous Aphrodite. Ouais, c'est Hadès, ouais, c'est Hadès, ouais. Ah voilà, la transformation du Chion, magnifique. Ça, je sais pas trop à quoi ça sert. Bah pour commencer à taper le bouclier, je pense, non? Ouais, mais Mew, de toute façon, il est déjà full charge en télékinésie, donc ça le bloque pas. Ouais, après, il a pas besoin de Chris pour eux, donc ouais, why not. Ça tombe bien en face, hein. Je pensais que peut-être le Shonades serait passé. Donc il s'attaque au Chion. On est sur de la grosse opti, ouais, quand même. Mais tu sais, c'est ça qui est dommage un peu dans ce jeu. Parce qu'au final, je te jure, maintenant je gagne le Jamir. Je suis pas spécialement fier de moi. Pourquoi je serais fier de moi de gagner le Jamir? J'ai payé plus que l'autre, c'est tout. Mais oui, mais au Jamir, tout le monde l'a payé, donc c'est comme si personne ne l'avait fait, en fait. Non, c'est pas parce que toi t'as une Ferrari, tu vois ce que je veux dire, que le mec en face, il a pas un truc 15 fois plus puissant qu'une Ferrari. Hein. Oui. Ouais. Les mecs, non, mais je suis d'accord, si tu gagnes le Jamir, t'as quand même une petite fierté personnelle quand même, parce qu'il y a quand même un aspect mental, un aspect team building, un aspect décision au niveau des matchs. Enfin, tu vois, il y a quand même un. Ah ouais, même perso, moi je l'aurais pas. Je serais pas content, je serais pas fier de moi. Ah, ouais. Je serais content d'avoir gagné, mais je serais pas fier. Pas plus que dans ça. Dans le sens, genre. Ouais. Ah non, je serais pas fier. Gros, j'ai payé plus que lui, c'est tout. Tu me dis maintenant, duel sacré, je fais champion. Là, c'est autre chose. J'avais les mêmes armes que tout le monde, j'ai les tabassés. Là, je suis fier de moi. Mais je ferais jamais un truc en duel sacré. Il va aller sûrement chercher le Mio. Il y a pas trop le choix, de toute façon. Bon, bah là, je pense que pour papa, ça commence à. Revirement de situation. Ouais, il est un peu bloqué parce qu'il peut pas target le Radamant, il peut pas activer son contrat, il va se prendre une décharge de la mort. Ouais, mais il va mettre le bouclier de Chion sur Hadès. Ah, ou pas. Ah, transforme-toi en Hadès. J'avais oublié la Pandore, elle est toujours là. C'est rigolo, il a l'air de garder quand même le Hadès, tu vois. Ça veut dire que tu auras un double tour en forme de navet. Allez, Radamant, fais le café, faut viser où il faut. Pourquoi double tour? Bonsoir les gens. Bonsoir. Faut qu'il mette le shield, je pense, il a pas trop le choix. Ou peut-être qu'il aille chercher le. Avec les brûlures, logiquement, Radamant qui meurt là. Ouais, donc faut aller peut-être se cacher le. Radamant, ouais, je sais pas. Ah.
Ah, moi je pense que. Ah les os sont pas morts, ils avaient des dents de dragon. C'est le misplay. Ah, c'est bon. C'est le misplay de la loose. C'est le tournant de la game là, ça y est. C'est fini. Hein. Ouais, il peut faire un peu ce qu'il veut là. Hades, bam. Terminé pour. Ouais, pour le pâté. Non, je pense que papa c'est bon là. Hein. Oui, on parlait pour l'autre. Oui, justement, oui. Dommage, il avait l'air bien parti à un moment. Alors, en tout cas, ça n'a pas été si facile que ça. Hein. C'est pas une promenade de santé pour papa là. La bestiole. Ah, il abandonne. Ok. Oh, il aurait pu faire le skill à 0 de Pandore et. Putain, j'ai gagné mon pari, ta grand-mère. Oh, j'ai gagné 4-4 ce soir. Qui a gagné? C'est papa. Papa a gagné. Ah bah oui, bah voilà, c'est ce qu'on avait prévu quoi. Ouais, bah là tous les gros sont passés quoi, entre guillemets. Et bim, ça fait beaucoup de fleurs. Okay. Et les gars, petite question hors sujet, comme d'habitude, vous me connaissez, je suis trop fort pour ça. Vous vous rappelez la série Dr. Queen dans le temps? Je connais pas moi. Ouais, Dr. Queen, un médecin. À l'ancienne. Voilà, à l'ancienne. Il y avait un genre d'Indien dedans. Ouais. Ça s'appelait nuage dansant. Est-ce qu'il s'appelait nuage dansant un nuage qui danse ou il s'appelait nuage dansant un nuage dansant la matière, l'encens que t'as cramé et ça fait un nuage avec de l'encens. Non, qui danse. Pour moi, c'est qui danse. Voilà, on est d'accord, c'est bon. Parce que là, je suis en train de parler avec des potes et ils maintiennent que c'est le contraire. Et je leur ai dit non, c'est un nuage qui danse le truc. Tu bah vois oui, c'est l'image. C'est l'image qui est rigolote, quoi. Ouais, genre le mec virevolte est intouchable. Okay. Après, ouais, je sais pas, techniquement, faudrait vérifier sur internet, mais enfin, moi, ça me paraît logique que ce soit plutôt dans ce sens-là. Moi aussi. Ah non, mais c'est le nuage dansant, genre un nuage qui danse. Oui, Voilà. C'est sûr. Ok, c'est parce que nuage dansant, tu sais, la substance, ça fait trop premier degré, tu sais, c'est genre le. Voilà, je l'ai dit ça, tu vois, toxico, ils auraient pu. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Ah, je me souviens de ce mec, Larry Seller, il s'appelait. Là, ouais. Ok, bah c'est bon, ça me va. Donc j'avais raison. Ça, je me rappelais même plus de ce gars-là. T'es fou, Sully, il avait la classe. Sully. Je me rappelais de Sully. C'est celui qui avait les cheveux longs, c'est celui-là, là le... Ouais, c'est lui qui se tapait Dr. Queen. Ah oui, c'est ça, ouais. C'est ça. L'enfoiré, il se tapait Mikaela, hein. C'était son mari. Mari, c'est normal, tu vois. Bon, c'était son mari à la base, c'était le mari d'une autre meuf, et cette meuf elle est morte, et elle est venue pour s'occuper de ses gosses, et après la ken, ou je sais pas quoi. Ouais, mais normal, mais ils sont mariés, tu vois, à la fin. Ouais, à la fin. C'est pour que les mœurs soient sauvées, tu sais, à la fin de la série. Voilà. Mais oui, mais après il a eu un gosse carrément avec elle. C'est pas possible qu'il ait un gosse sans être marié, tu vois, dans la série. Surtout pour les Américains, ils seraient choqués. Ah mais surtout à cette époque, je veux dire, c'est les années 1800, le bidule, tu vois. Déjà qu'il y a un Renoir qui est libre dans la série, c'est déjà pas normal, tu vois, presque. Non mais ça, c'est comme les chroniques de Bridgerton, gros. C'est juste anachronique, tu vois. La reine d'Angleterre, c'est une Renoir, déjà, c'est pas normal, tu vois. Pas une série historique avec une reine d'Angleterre Renoir, tu vois, il y a pas moyen. Oui, bah, elle est pas historique, c'est une série fantastique. Inspiré de faits réels, ça veut dire. C'est-à-dire que tu t'entends, la reine d'Angleterre, elle était noire, tu vois, c'est normal. Non, c'est juste inspiré, c'est-à-dire tu fais ce que tu veux, bah oui, mais ça sous-entend qu'il y a peut-être un soupçon de vérité quelque part. Ouais, en fait, c'est toi. Tu sais, c'est comme d'habitude, c'est toujours, je vous l'ai déjà dit en plus ce dicton, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. C'est comme ça que ça marche, les gars. Ouais, mais moi, quand je vois que c'est marqué en dessous du truc historique, tu vois, j'ai envie de dire, bah, il y a tout le temps. Voilà, ouais, t'as envie. Alors là, bien sûr, moi, je suis comme toi. J'ai envie de péter un câble quand ils se foutent de notre gueule comme ça, tu vois. J'affronte une pendant trident, là, je vais voir ce que ça donne. Ouais, moi je vais vous laisser, je vais aller me faire manger. Yes, ça marche. Oui, yeah, bon app. Bon appétit. Merci. Itadakimasu. Ah, ça a pris des coups. Ça a surtout maté des mangas. Ça s'est fait
fait, je crois la récupérer mais 4000 points de victoire. On va déjà. Moi je pense que c'est l'heure d'activer une pièce de Hades. Voilà. Ça c'est une très 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 bonne idée. Ouais, bah il m'en manque une mais voilà. J'ai pas assez de poussière là. Et y a pas les échanges. Donc. Déjà c'est bien, plus qu'une déjà, ça fait plaisir. Ouais ouais. Bien sûr, toi t'en manques combien encore? Ah bah 6. Comme ça. Non, je suis en train de focus celui de Poséidon là pour l'instant. Mais j'ai du retard, j'ai clairement du retard. Bon, après, c'est bien aussi. Poséidon il te fait tanker. Hein. 21% de PV, on prend. Moi, vous me connaissez, je favorise toujours l'attaque à la défense, tu vois. La meilleure défense n'est-elle pas l'attaque? Je pense en tout cas. Quand je suis dans ton camp, je suis pas dans le mien. C'est tout ce que je sais. Bon, Shijima, il va dans... Attaque quelqu'un d'autre, Artemis. Putain, mais ouais, elle est pas morte, regarde. C'est pas grave, ça veut dire que ton Shijima, il va pas dormir, gros. C'est important. Au pire, tu la kills avec ton Thanatos. Ton Thanatos, il se réveillera pour faire ses AOE, il se réveillera juste derrière. Tu vois, mets un coup blanc avec ton Thanatos, c'est bon. Oh. Ouais, oui. Moi, je suis pas sur le. Ah, vas-y, sur le live, t'as vu. Alors, prochain tour, qui est-ce qui transforme? You beef. Ah, putain, avec son. Putain. Il m'a enlevé mon bouclier, le bâtard. Il a de la chatte sur les fleurs. Hein. Je suis obligé de reverse. Bah Tana, sinon je prenais l'œil. Hein. Mais non, tu le prenais pas tout de suite l'œil. Bah si je reverse pas, en fait je tapais deux fois. Il aurait fait deux auto-attaques, il aurait pris l'œil. Bah oui. Là c'est bon, c'est bien là joué. Par contre le problème c'est que je suis assez low life, ça c'est un peu chiant là. Ouais, par contre, tu l'envoies à ton. Attends, là je peux tuer quelqu'un. À choisir, je tue Thanato, je pense. Ah, j'aurais plutôt dit l'autre. Shijima? Non, Aphrodite. Moi, Aphrodite plutôt, ton Shijima, tu peux buter Shijima avec ton propre Shijima, c'est pas un souci. Regarde Aphrodite. Bah, regarde, je me prends une AOE. Ouais, une seule AOE Tana, c'est fini. Bah, vas-y, tape Tana. Parce que là, tu vas le charger en tapant sur les autres, c'est pas le problème. Ouais, Tana, tu charges aussi. Hein. Oui, mais là, au moins, il a pas de PV, tu peux le tuer. Ouais. Si tu tapes sur les autres, tu vois, tu risques pas de le tuer. Ouais. Voilà. Maintenant, tape Shijima. Mais bon, il reste encore. Ouais. Non, mais là, tu sais pourquoi je t'ai dit de taper Shijima? Pour que tu touches pas Aphrodite. Hein. Bah oui, oui. Bah, c'est sûr. Ouais, voilà. Pas que tu te prennes trop de flèches. Qu'est-ce qu'il a fait là? Il a tapé? Shijima hein, qui m'a douillé là. Je fais ce qu'il a deux sur Pandore là. Ah, je vois sur Pandore. Vas-y. Oui, vas-y, ouais. Il a combien ton skill 2? Il est à 4. Ça va tuer GK et Shijima. Par contre, là je pose le bouclier sur Thanatos. Ou sur. Non, sur GK. Ouais. Thanatos, et en plus, j'ai Kano, de toute façon, il a encore une life. Il a pas encore proc. Je crois qu'il a proc sa life. Non, je crois pas. Ah, puis il dort là. Après, attends, parfait. Combat, mais il me semble qu'il a pas proc. Ouais, c'est bon. Allez. GG. Il fait même plus, il regarde même plus, il a coupé les commentaires. Tanen, il en peut plus. Ouais, c'est vrai. Non, mais je trouve pas ça très. Ouais. À part mettre GG, je trouve ça pas d'intérêt. C'est plus pour vanner qu'autre chose. Je sais pas, je suis pas fan. Ouais, tu aurais pu lui mettre un Sleepy, tu vois. Ah, quoi, genre les trucs là, moi aussi je suis pas fan. Hein. Les émotes. Ouais, je suis pas très fan. Ouais. Vraiment pas mon truc. Eh ben, RIP. Je sais pas si t'as vu son nom. J'ai vu le nom de sa légion. RIP. Il a enterré et il s'appelle. C'est ça, exactement.
Si tu nous regardes, Rip, bisous. Si tu nous regardes là où t'es, dans l'autre monde. Bon, en tout cas, Pandore, elle a pas été décisive dans ce match-là. Il m'a pas transformé, il m'a pas mis en calme. Il y a plein de gens qui jouent Pandore et au final, le mec, il a rien capté, je crois, au skill de Pandore, parce qu'il t'a transformé personne. Il aurait pu te casser 10 fois plus les couilles que ça. Moi, j'avoue que je pensais qu'il allait me transformer au moins une fois un perso, quoi. Peut-être qu'il avait pas les skills assez montés pour faire tout ce qu'il voulait. Hein. Mais en fait, tu sais que c'est un skill qui coûte cher. Déjà, moi, le fait d'avoir joué Artemis, déjà, je lui baise un cristal direct. Donc, il pouvait, ça se trouve, il lui manquait de mana. Voilà. Non, mais il aurait pu se lancer au tour 2, par exemple. Oui, mais c'est vrai que. Ouais, c'est sûr. Oh putain, il y a Ikki. Oh, il y a Ichi. Oh, il y a Milo. Ah, bah, il va te faire Ichi, Ikki. Vas-y, je dégage Ichi. Je dégage Ichi. Ou tu fais PGC. Dégage Ikki et fais PGC. Mais oui. Alors, la PGC. Ça arrive avant lui quand même, il a pas les nerfs. La PGC, je vais mettre. À la place d'A. Est-ce qu'à la place d'A. Tu veux que je mette qui à la place? Non, parce que normalement il y a Thanatos là dans la place vide là. Bah, mais moi je t'ai déjà dit, Sean, faut que je sois là-dedans. Hein. Mais ouais, mais ça, après je suis léger en DPS. Je suis très léger après. Ça va, alors, on fait ça. C'est bien comme ça. Ouais, je pense que c'est pas mal. On va tester comme ça. Ouais. Surtout s'il joue Milo qui va être caché. Par contre là, il va me. Sinon, tu joues Milo RC, tu vois, le Milo classique, tour 1, t'attaques pas avec lui, et du coup, tu fais son skill qui le charge. C'est pas faux. Et du coup, ça proc une assistance. Ouais, ouais, c'est pas faux. Mais c'est vrai que j'avais plus tendance à penser dans ma tête jouer Milo RC dans la team Artemis, tu vois. Mais pourquoi pas, ouais. En tout cas, il est pas dégueulasse là-dedans. C'est pas. Ouais, ouais, c'est pas faux. T'as là, les gars, ils ont des. Je tombe que sur des 70 là, c'est quoi l'histoire là? De quoi? Milo RC, c'est un monstre avec Artemis. Hein. Il est aussi 70. Voilà, mais même sur Artemis, je veux dire là, hein, Milo RC, il peut être assez rapide. Hein. Tu peux le mettre à 450, 500 de speed. Sans ouais. Ah, mais le gars, il a. Sur la team avec PGC, un moyen en fait d'assist 1000 fois en plus, tu vois, direct dans le. Là, regarde, concrètement, par exemple, là, s'il avait écouté la Michel Hernandez, il aurait pas été dans la merde. Là, il est dans la merde, voilà. Il a perdu PGC tout. Tu vois. T'es pas pour rien que moi là-bas, je t'ai dit, mais je suis. Ouais, non, mais le mec il a des grosses opties, attends. Oui, bien sûr, mais t'auras que des mecs comme ça maintenant. Hein. Toi, t'es bon, un mec avec des grosses opties. Ça, c'est mort. Bon, je vais. C'est vrai que c'est compliqué. Team PGC sans PGC, c'est compliqué. On parlait de Kaliz, c'est elle qui ou lui qui te regarde sur tes lives, c'est Kali. Mais non, c'est pas lui. Non, je sais pas. Mais si, c'est lui. C'est lui? Mais oui, il a dit qu'il s'appelait Kaliz en jeu. C'est pas vrai. T'as un fumier alors, Kaliz. T'as triché. Putain. Il savait ce que t'allais jouer, tu vois. Franchement, Kaliz, on t'abandonne. Fais plaisir. Vas-y, fais-moi plaisir. Vraiment, t'abandonne, sois un homme. Et ce qui est bien, c'est qu'il sait. Mais voilà, c'est Kaliz. Ici, t'as sera fini. C'est Kaliz avec un Z à la fin. Elle l'a dit sur le live la dernière fois. Je sais pas si on peut revoir les chats. Mais Moomra il confirme apparemment. Ça triche. Moi je trouve. C'est honteux. Je pense qu'il y a moyen de regarder les commentaires des anciens lives. C'était quand. C'est quoi là? Ouais, franchement ça fait trop de live à regarder. Ouais, ouais, après. Ouais. Il va savoir où ça se trouve. Je m'étais dit ça, je voulais regarder les lives. Parce que tu sais, l'autre jour, là, quand t'as parlé avec Tanen, genre, tu sais, avec Top et tout, je voulais aller dans le live pour lui montrer que c'est moi qui a montré à Tanen qu'il fallait jouer Ulysse avec l'auto-attaque, en plus. Tu vois, pour lui montrer ça, tu vois, pour lui dire que regarde, c'est moi, je suis Ulysse, je lui dis donc, je me dis pas, c'est nous, tu vois. Genre, retrouver la preuve, tu sais. J'ai pas voulu aller jusqu'à là, je me suis dit, attends, c'est bon, tranquille. Par contre, sachez que tout ce qui est écrit dans le Discord, je le ressors. Il faut me taper 3 heures de Discord pour retrouver ce que quelqu'un a dit, je le ferai. Au grand mot, les grands remèdes. Bon, est-ce que j'ai encore une chance avec cette team ou pas là? J'en mets d'avis.
Ça paraît compliqué, ouais, ça paraît compliqué. Bon, déjà, l'avantage, c'est que Majoon reste quand même plus rapide que son GK, donc ça, c'est déjà pas dégueulasse. Non, mais du coup, il est super con, parce que pour info, le gars, il te faisait là un renvoi avec son Ulysse, vu que tes deux premiers persos qui jouent, c'est Kiki et après June, tu prenais un renvoi de bâtard, là, avec ton G-Canon ou alors ton... Avec Araya, ouais. Bah oui. Le gars, il réfléchit pas non plus spécialement, je pense. Bon, là, peut-être après, Tu vois, il sait déjà. Ouais, c'est ça. Là, il se dit de toute façon, il va se dire, je peux pas m'en sortir. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense qu'il joue en mode. Shiryu, il est pas transformé encore. Je vais essayer de le vider. Pète le mur et tue en même temps. Si t'arrives à tuer le Shen. Mais non, mais là, il faut que j'essaie de tuer Shiryu là, non? Bah, vas-y. Si tu sens que tu. Ok. C'est bon, bien joué. Bon, ça. Un petit Namo histoire de le buter là, un petit Amitaius. Ça reste compliqué quand même. Est-ce que j'Aphrodite. Je vais Aphrodite Majoon là, j'ai pas envie qu'il me la déce. Non, t'Aphrodite pas Majoon. Au prochain tour, tu vas Aphrodite ton Araya. Ah oui. Il t'a mis la main dessus, tu vois, son truc il va tailler. Et... Exact. Ouais, tu vois, je l'ai trouvé. Mais il dit, je suis dans la légion des raids chez Pharaon, Autonien. Non, c'est Kalize. Kalize, la prochaine fois, si tu passes, t'écoutes, mais quand tu passes sur le live, on va te tailler là. On va te dé- T'aurais pu laisser passer ton youtubeur préféré. Salut Kilouz. T'as quelques vues quand même en soi hein, sur tes lives. Hein, en fait, je pense qu'il y en a qui les matent en replay, je sais pas qui, mais il y a quelques vues, ouais. Ouais, quelques vues. C'est pas du 64 abonnés, un truc comme ça, je crois, la dernière fois que j'ai regardé. 51, ouais. Parce que... Mais c'est vrai que les lives, en fait, les lives font plus de vues que j'ai d'abonnés, c'est chelou. Hein. Ouais, mais c'est pas... Après, il y a peut-être des gens qui les regardent deux fois. Ouais, des fois ça doit être, tu vois par exemple le gars il veut revoir un combat tu vois ou un truc comme ça c'est possible. Bah j'ai pas pu le regarder son Hades, il jouait avant tout le monde de ma team, j'ai pas pu le cacher arrière. Ah bon. Donc là je vais me prendre. Ah bah attends, t'avais caché quand t'es plus avec Pando, si t'avais vu ça. C'est vrai. Franchement c'est vrai ouais. Putain. Non mais c'est pas grave, de toute façon c'est un combat là franchement. Oui. Si cette game, on est trop fort. C'est ça, c'est que moi j'ai tout à gagner, il a tout à perdre en fait ouais. Attention. Qu'est-ce qu'il a fait avec son Ulysse? Il a mis un... Envoie une auto-attaque, parce qu'il a protégé son Ulysse, c'est tout. Non, envoie une auto, il t'a mis un renvoi de dégâts là. Il y a des grandes chances. Ou une réa, il a mis réanimation sinon c'est déjà plus con. Ah, il a pas mis de ricochet. Il a mis réa. Bah, il n'y a pas eu de ricochet parce que t'as mis 0 dégâts en fait. Non, ça c'est l'autre, c'est choc. Ça c'est choc. Ou il faut que tu. Non, que le truc. Ricochet, c'est pareil. Normalement, si tu fais 0 dégâts, le ricochet il déclenche pas. Tu fais un 0. Pourquoi je tape qu'une fois, que deux fois avec Araya, il a pas fait le troisième debuff là? Parce que c'est un debuffable. Bah, les petites épées rouges là, il peut pas les. Ça se debuff pas. Débuffable. Ah merde. Ah ouais, ça c'est les moins 20% de vie de Hades. Ah ouais, ça, Hades, ouais. Ouais. Putain. Bon là, mon afro il sert plus à rien là, c'est rien que j'affrodis qui que ce soit là. Bon, pour l'instant, garde-le, il va faire des rappels. Ouais, on va voir. Pour le plaisir d'Aphrodite, tu vois. Franchement, si je gagne ce match, je suis refait là. Je pense que tu Shen Hades là. Shen GC, excuse-moi. C'est lui qui t'emmerde. Ouais, le Kinder, je suis aussi sur mon Kinder là, cette fois-ci. Par contre, Hades va commencer à faire très mal. Ouais, non, ça va être compliqué là. お前たちは先へ行け。
Ah non, mais tu vas te faire défoncer, je veux dire, là, c'est chaud, là. Vas-y, bute-le. Si tu le butes, attends, la tête de ma mère qui a encore une chance, les gars. C'est ça que vous savez pas. Parce qu'il y a Pandore. Ah, le ricochet qui a fait mal. Ah, Pandore en dent de dragon, mon gars. Allez, yes. Voilà, cousine. Tu sais que je l'ai mis en dent de dragon juste avant le GD soir, en plus. Bah, gros, c'est ça qui fait la game, hein. Jeune, tu m'étonnes. Putain, mais il a mis le revive, merde. Oh, le oui, c'est pas grave. Il a mis son revive et là, t'es bien, bon, vrai. Non, mais le problème, c'est que avec la... depuis qu'Hades a fait la OE, là, avec. J'suis... Attends. Ça dépend ce qu'il fait. Ah, il a joué comme ça. Ah, il est en décel, son. Attends, qui c'est qui est en décel? Ah non, c'est Ulysse. En fait, t'as relancé Artemis. Ça annule les buffs qu'elle a transformés, enfin les debuffs qu'elle a transformés, ça remet les debuffs originaux. Ah non, je suis dans la merde, y'a GK qui joue là, je suis passé derrière tout le monde là. Ouais, là t'es mort. Je suis passé derrière tout le monde. Parce que je pense t'aurais été qu'elle heal, tu vois, au premier coup, qu'elle fera pas. Tu vois. Oh, là, il va te défoncer de toute façon. Plus le gars part sur les. Salopard! Bon, c'est allez. Défoncé. Ouais, bah, il a du bol que. Ouais, bah. Sans PGC, la team PGC, elle a plus trop de sens, quoi. Ouais, bien joué, Kali, allez. Ça va, je t'en veux pas. Je t'en veux pas, mais t'aurais pu me laisser gagner. Hein, si tu c'est ça. Pégasus, c'est bien, elle est tirée dans le. C'était bien ça. Je sais pas si tu peux aller voir dans les replays sa légion directement. Déjà, pourquoi elle? À quel moment il a dit que c'est une elle? Bah, je sais pas, moi tu t'appelles Kali avec un E, pour moi t'es une meuf, tu vois. Ouais, bah elle si, il s'appelle SXA. Mais non, c'est un gars, il a une photo. Mais regarde, il est là. Kali, ça se fait up ce que t'as fait. Tu m'as. Ça se fait pas, t'as. Ça se fait trop up. Si, ça y est, il est venu. Bon, GG quand même, mais franchement. On est sûr que t'étais sur le live, tu savais ce qu'il allait dire. Ouais, ça se fait pas. Franchement, c'est pas bien. En plus, il nous dit qu'il déteste une team. Oh, le fumier. En plus, il me troll. Ouais, en plus. Oh, Kali, viens, on refait un amical. Tout de suite. Il est fou. Danen. Faut faire des amicaux, là. Faut rétablir l'ordre. Ah, on retombera avec le... Peut-être avec de la chance, on retombera ensemble. Non, mais déjà, ce qui m'a mis dans le mal, c'est que tu m'as tué PGC direct. Après, c'était compliqué, quoi. Du coup. Ah, ça joue Artemis, faut que je la sorte aussi. Là. Tu cherches une turque? T'inquiète, Kefe, il va trouver ça. Il fait, y a pas de souci. Y a pas de souci. Il y a des ponts de coups, y a pas de souci. Attends, y a pas Pandore, hein, c'est pas normal ça. Il m'a ban Thanatos, donc il pourra pas le jouer. Vas-y, joue ça. Es-tu sûr de ce fait? Yes! Parce que si je mets Araya, c'est qu'il y a pas Thana. Le mec, en plus, il t'a dit, c'était tordu parce que mon Ulysse était pas monté pour cette kill. En gros, le mec, il a joué avec des persos même pas montés. Limite, il va me dire, ouais, mais il y avait même pas de cosmos dessus. C'est ça. Moi, tu joues contre un chinois. Non, c'est bien joué. J'y ai cru à un moment, je me suis dit, il y avait peut-être moyen de remonter, mais non. Ce qui m'a foutu dans la merde, c'est ton Ulysse en décel. S'il y avait pas le décel, je pense que j'avais peut-être une chance. Heureusement que Majun est plus rapide que son. Ah non. Qu'est-ce que c'est que cette team Artemis avec Shiryu là? C'est pas souvent qu'on voit ça. Il a joué en chasseresse peut-être là du coup pour avoir un Shiryu gratos. Ça marche plutôt pas mal. Mais j'avoue que ouais, c'est pas con. J'y avais pensé un moment mais je l'avais jamais monté. Ah non, il joue en double tour. Putain, mon Shijima qui est derrière la June, ça fait chier.
Et oui, trop lent. Mais pourtant j'ai mis le max, hein, je peux pas faire plus. Je veux dire, si je veux faire plus, il faut que je le passe en nouvelle lune et ça me fait chier, je vais perdre en DPS quoi. C'est ça qui me saoule quoi. Non, mais pour un coup, ne crois pas que ça change énormément. Hein. Je peux le mettre en nouvelle lune. T'inquiète pas. Bah si je vois que... des colibris, tu perds quand même 1500 d'attaque, c'est quand même ça change quand même beaucoup. Après... Non, c'est pas ça. Attends, il y a un gros écart ou pas là? Il y a combien là? Attends, je vais faire un calcul. Je joue en nouvelle lune. Je crois même Mercure, il le joue en nouvelle lune. Gros. Il y a plein de gens qui le jouent en nouvelle lune. Si t'as pas cette vitesse, gros, tu mets nouvelle lune. Donc là, Sajun, elle est à 700. Il est à 714. 714, et moi, je suis à combien? Merde. Attends. Moi, le mien, il est à 730. Et à 730, je le trouve lent. 730? Attends. Ouais. De quoi ton Shijima? Non. Je suis à 703. 703. Ouais. Même en nouvelle lune avec. Non, mais même en nouvelle lune, je passerai pas au-dessus de la Juna. Ah non, je prends les Chijima, attention. Chijima, non. Bien sûr que si. Non, Chijima, laisse-le comme ça. Je parle pas de Chijima, je parle des Jekanoi. Non, on parle de Chijima. Ah, excuse-moi. Non. Chijima, il joue juste après la June en fait. Et du coup, il manquait 11 de speed. Tu vois, la June avait 714 et le Chijima 700. Ah, son Chijima alors, ok. T'es fou, Shijima il a 700 et tout, il est bien. Tu dispatches les dégâts avec Shijima, c'est tout en fait. C'est un peu plus long. Ouais, non, mais après, je compte. Sur le long terme, je compte sur Araya après pour mettre des AOE là. Bah, en soi, il a. Ouais, il y a Afro en face, donc du coup, tu vas pouvoir buff. Est-ce que je cache. Non, pas tout de suite. Okay. Attention, regarde juste un truc. Le truc qu'il y a, il va te reverse. Qui? Personne. Ça sert à rien de te rebuff ça. Bah en soi, ça Artemis est plus rapide que la June, donc enfin ça servira à rien. Parce que là, il reverse la June par exemple, et en gros, elle pose le lien direct derrière. Killouz avec je passe à 732 en nouvelle lune. Ah ouais, je serais plus rapide du coup. Ah oui, t'as un bonus de 20 en fait. Ah ouais. Avec les... Non, bah du coup, je vais tester, je vais le passer en nouvelle lune comme ça. Non, pas nouvelle lune, c'est Shijima. Mais ouais, mais regarde, je serais passé devant la June, j'aurais pu tuer sa June. Mais devant G-Canon, ok. Mais ton Shijima, il tape sur plusieurs personnes et tout. Ouais. Non, c'est important qu'il fasse bien des dégâts, tu vois. Il m'a reverse personne là. Non. Moi je reverse. Ça sert à rien de te reverse. Et moi, est-ce que je reverse quelqu'un, ça sert à quelque chose ou pas? Non. J'ai pas l'impression. Pas vraiment pour le moment. Après, le seul qui pourrait casser les combos serait Shiryu. Et au pire, tu le reverse. Ouais, je pense que je vais le garder. Je vais... Au prochain tour. Kali, il dit team Ichi, Iki. Bah ouais, quand t'as un Iki RC, c'est sûr que. T'as quoi comme Cosmos comme légendaire sur Artemis? Artemis, je l'ai repassé en Blood Elf, ouais. Pas bon ça, pas bon. Décélérateur, c'est mieux. Bah après, faut avoir un décélérateur double speed. Non mais parce que là, t'aurais dû prendre la June et tu t'en fous. C'est juste au premier tour où elle est avant toi, et après elle est plus avant toi. Enfin, même pas, au premier tour elle est déjà pas avant toi. Ouais, mais tu sais qu'une Artemis plus lente, c'est pas mal, hein. Parce que tu peux reverse après. C'est toi qui vois. Moi en tout cas, je préfère largement un décélérateur dessus que un Blue Death, un canal de sang. Tu lui fous la merde dans sa strat en fait. Ouais, bah ouais, c'est pas faux. C'est que mon décel, je l'ai mis sur Ulysse du coup. Bon, je vais répartir moi, un peu les. Le mec qui joue une Athéna, eh ben je lui descends sa Athéna. Il a pas de mana. C'est sur Pandore, sur Zune et Pandore. Faut que tu disperses, tu vois, ça s'appelle dispersion. c'est vrai. Dispersion. Ouais, ça met sur les 4 directs, ça lui baisse pas une tapis plus que c'est ça, tu vois. Ouais, mais avant ça, j'aurais des buffs Aphrodite, moi perso. Hein. Breture. Des buffs de quoi? Des buffs l'attaque. J'aurais mis des portes là, comme ça. Ouais, mais le problème, c'est qu'il y a. Pandore, il aurait. Pandore, elle a fourni l'Aphrodite quasiment, donc en quoi. Oui, là, c'est bon, c'est pas grave. Non, en fait, je compte sur Araya au prochain tour là. Sauf qu'au prochain tour, oublie pas qu'il faut que tu reverses le Shiryu en face. Ah bien sûr, Mumra, je sais que c'est grave. Hein. Non mais pas forcément une SS. Hein. Juste une S. Une B, tu vois, même une B, gros. C'est pas grave. Une B. Les stats de merde que ça doit apporter, ces trucs.
Putain, tire que j'ai d'aise, moi. Décélérateur double speed. Ah, donc ça, ça Artemis est plus rapide que la mienne. Ça, c'est bon, ça. Bah oui. Ça veut dire que c'est... justement pour ça que ça sert à rien pour lui de défaire, enfin de reverse ses persos. Il va reverse kill. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Ouais, parce que ça enlève toutes les... Non, tu sais quoi, je vais pas reverse tout de suite parce que j'ai besoin de... Je vais remettre June avec, avec Araya. Parce que sinon, Araya, il va se faire défoncer par les... Si je peux pas mettre June, après, je suis dans la merde avec Afro. Ah, mets ton terrain, alors tant pis, et t'attends le prochain tour. Hein, qu'est-ce que tu veux, hein. Ça va te coûter 3 au prochain tour, toi. Ouais. Ouais, mais ça, c'est pas grave, parce que Araya, il te coûtera 0 à ce moment. Bon, on va voir, je sais pas si je vais faire encore. Je suis pas sûr que je fasse très mal parce qu'il y a rien à... j'ai rien à debuff en fait là, en vrai. Si t'as les serpents, et un debuff de bouclier sur Pandore. Enfin, deux debuffs de bouclier sur Pandore. On a de l'écho qui est encore mis en main devant. Il veut buter Shijima. Mais je sais pas, franchement, je sais pas ce qu'il a voulu faire avec Shijima là en vrai. Bah, il l'a reverse, ce qui fait que ça a enlevé en fait tous les. Ah, tous les trucs que j'avais dispatchés. Ah. C'est pas con en soi. Hein. Mais par contre, du coup, bah maintenant tu vas pouvoir redisperser comme t'as envie. Oh. C'est même pas ça, le gars il est débile. Il a oublié qu'il y a June qui joue juste après. En fait, tu vois. Il a cru qu'elle allait rester en dehors de la liane, à mon avis. Tu vois, le mec, il a dû croire ça. Bon, allez, on commence les hostilités. Ouh, ça fait plaisir. Yes. C'est bon ça. Voilà. C'est ça qu'on veut voir. Il est fou lui. En plus j'ai un peu monté son skill 1 à Araya pour qu'il tape un petit peu plus fort. Je l'ai passé en néant aussi. C'est cool. Ouais, ça c'est bon. C'est cool. On a jamais le droit de jouer Thanatos, nous. Hein. Ah, il continue à être bien ban. Ouais. Ah, moi, perso, moi je réfléchis pas, je banne lui, hein, je me casse pas les couilles. Milo GC et Poséidon. Ah, Poséidon, vas-y, il me saoule, Poséidon, je le dégage. Banne lui Thanatos, banne lui. Oh, il reste 13 secondes. Mais j'en ai... Non, mais il peut pas le jouer, s'il banne Thanatos, il peut pas le jouer. Je banne Poséidon. Il joue pas de toute façon là, depuis avant. Non, mais l'adversaire va le ban de toute façon, donc. Ça sert à rien, ça sert à un double. Est-ce que je tente une team PGC là ou pas? Ah, il l'a pas vraiment. Ah non, il va jouer Artemis. Oui, mais mets ton Thanatos là-dedans. Donc ça va être Thanatos là-dedans et je suis en surplis. Ou sur la PGC pour le niquer. Ouais, mais il va sortir la Artemis, il va passer devant moi en vitesse. Ah oui. Donc je vais la jouer comme ça. J'ai pas de heal, mais en espérant que ça tienne. Y'a June quoi. Ou alors je voilà, mets... Kilou. Bien joué ça. Ou alors à la place de June, je mets Ulysse. Qu'est-ce que vous en dites? Les gars, faut qu'on tue. Vas-y, je tente. La vida pour la daronne. Les pouces bleus, les mecs. Pitié, s'il vous plaît. On a la même. Encore une fois, j'ai croisé un Roumain qui pisse sa jambe. Non, mais les gars, ils sont trop forts, hein. Putain de merde quand même. Hein. Oh, il est plus rapide, le bâtard.
Oh, il va me niquer, putain, l'enfoiré. Il va te niquer rien du tout, Thanatos, il va déjà envoyer une AOE. Ouais, ouais, non, mais le. Non, mais t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Mais si, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Pouah. Non, mais c'est Yggdrasil en face, c'est la légion de Topirate là, c'est des balèzes. Ouais. Voilà, merci, ça fait plaisir. Non, il est balèze, nous aussi. Quand même. Franchement, tout ça parce que son. Attends. Ouais, c'est son Ulysse 384-438. Bah, laisse tomber, il est la vitesse de dingue qu'il a sur Ulysse, c'est pour ça. Non, mais c'est dead. C'est dead. Bon, je vais rester jusqu'au bout, hein, mais. Attends, tu sais qu'est-ce que tu peux faire? Tu mets le truc sur Ulysse. Regarde. Tu mets le bouclier sur Ulysse. Ah non, mets-le sur Artemis et tu joues deux fois, comme ça il se prend l'œil, Thanatos déjà. Ouais, bah oui, oui. C'est clair. Le bouclier, tu le mets sur Ulysse. Ouais, Mumra, j'ai vu. C'était City. Mais je m'en doutais que ça allait être City. Est-ce que je cacherai pas Ulysse? Si, si, hein. Je mets le bouclier sur Artemis et je cache Ulysse. En fait, le truc qu'il y a, c'est quoi? C'est qu'il faut que tu joues sur un contre ou un truc comme ça. Tout le combat va se jouer sur ça. Ouais, mais le problème, c'est qu'il fait que des auto-attaques alors. Ah, bah là, il va me reverse. Merde. Putain, j'avais. Ouais, ça t'enlève et le bouclier et la pro. Franchement, je sais pas quoi poser là. Je vais mettre un ricochet. Ah non, en coup blanc, ça sert à rien. Fait durer la game, mais une res. Ouais, je mets la res, mais il va me tuer avec ses deux persos là. C'est pas grave, mets la res quand même. Juste pour le principe. T'as raison, Elvis. Mais perso, moi je préfère ban Thanatos. J'ai ban qui là? Ouais, j'aurais peut-être dû ban Artemis, ouais. Mais non, tu veux la jouer. Ben, ouais, c'est bon. C'est ça le problème, c'est que. Ouais, c'est. Qui c'est que j'essaie de tuer? Shijima? Bon, en fait, t'as Artemis. J'ai pas regardé en bas là quand ça, la ligne. Elle jouait après qui? T'as Artemis. Tu te rappelles, Tanen? Non. Parce que si elle jouait tôt dans la game, t'as merdé, t'aurais pu mettre juste le truc, tu vois. T'aurais pu la reverse, l'Artemis, en fait, tout de suite, tu vois. Et t'aurais pas eu de problème. Mais j'ai pas vu. Je me rappelle plus. Si t'as pas de compte, il y avait 3-4 persos qui jouaient avant Artemis, tu vois. Mais ses premiers persos étaient très rapides. Si, sa Artemis c'était plus rapide que la mienne. Ah oui, ça va, ok. Et après? Après, il y avait son Ulysse qui m'a décelé tout le. Qui m'a foutu la merde avec les vitesses. Donc son Ulysse il était plus rapide que ta. Ouais, oui, oui. Okay. Ouais. Il était à je sais pas combien. Le Ulysse, laisse tomber. Ouais, 880, un truc. Mais tu vois, lui, il est connu, c'est un gros joueur. Loops. Yggdrasil. Ah, les gars, là, qu'est-ce que vous foutez en diamant là? Vous pouvez pas nous faire laisser tranquille et monter en légendaire là, ça ouais, va. Il est immortel 4, hein. Ouais. Putain. J'étais sur une bonne série là. Oikawa. C'est quoi sa légion lui? Fight Club? Fight Club. Je sais pas, j'ai pas bien lu. Ah, je vais lui ban son Shenades, j'ai envie de jouer. Si je peux sortir la team PGC peut-être. PG, ouais, fais nous rêver. Il ban Artemis, bah très bien, allez, team PGC. C'est parti. Bim.
Thanatos d'ailleurs. Bon allez, moi je vais vous laisser. Ça roule. Ça marche. Bah, bon courage pour demain. Bonne soirée. Good night. Château, laisse tomber. Arrête. Ouais, ouais. Un truc balèze. Ouais, un grand truc seigneurial, machin et ah ouais. Tout. Et c'est un gars, un ingénieur là qui a racheté ça là. Et du coup, il fait faire plein de travaux, machin et tout. Et là, en fait, on est en train de faire tout un chalet en fait à côté de la piscine. Merde, attends. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, y a pas un coup blanc avec PG. Putain, sa race. C'est pas grave, c'est pas grave. Non mais la loose, j'étais en train d'écouter. Allez, j'étais en train d'écouter ton truc de château, ça. Laisse tomber quoi, un truc. Non mais c'est pas grave. C'est pas mal. C'est sympa. Enfin bon, voilà, je vais me coucher. Je te ok laisse, ouais, ça marche. Vas-y, envoie le skill. Hein. Je l'envoie sur qui? Je défonce Shijima ou... Moi, il va se faire foutre si t'arrives à le buter tout de suite. Ah, je sais pas, non, ça m'étonnerait. T'as, tu penses pas? Ah, j'en suis loin. Non, mais pour l'entamer, déjà bien. Oui, pour l'entamer. Là, je vais mettre l'œil sur Chion. Shijima. Bah non, parce que si, après, je vais me prendre un renvoi de dégâts de ouf avec... Non, tu vas... Mais non, tu vas pas prendre de renvoi de dégâts. Ton G-Canon, il joue avant. Tu l'aurais redescendu. Tu l'aurais pété le mur avant, t'inquiète pas. Ah, j'avais oublié ce détail. Ah non, t'as très bien joué. Ton Shijima, il joue après ton G-Canon. Son Shijima. Donc t'as bien joué, bien joué. Ok. Excuse-moi. Non mais c'est vrai que de base, quand je vois un chien, j'ai tendance à mettre l'œil dessus, direct, je me pose pas la question. Et moi, de base, quand je vois un Shijima et un G-Canon... Kilou, ça m'a fait un... Mais oui, franchement, Kilou, je suis persuadé d'avoir cliqué sur le sort pour le faire décoller, c'est ça qui est bizarre. Je me lance, c'était pas un bug, effectivement, t'as raison, c'est chelou. Donc là, je finis, je vais finir Shijima. Ok. Là, je vais commencer à attaquer, attaquer le chion. Hein. J'ai l'impression qu'ils sont tanky quand même un peu ces persos là. Je trouve qu'ils freinent pas trop cher. Bon, Pandore, il serait temps que tu heal. Hein. Il serait sérieusement temps que tu heal. Ah, on est plus que tous les deux, Tadam. De quoi? On est plus que tous les deux. Ouais, j'ai vu qu'il y en a qui étaient partis. On est l'un à côté de l'autre dans les classements. Tu passes devant, je passe devant, tu passes devant, je passe devant. J'ai pas été voir, faut que j'aille jeter un œil, ouais. Putain, merde. Et j'ai fait une série de merde hein, entre midi et deux. Quoi, entre 14h et quoi. 13h et. Ah ouais? Ah, j'ai fait que perdre. Crasse, faut l'arrache ça. Quoi? J'ai pas compris. Il s'est passé quoi? J'avais l'œil? Je devais avoir l'œil. Bon, de toute façon, je t'ai foutu. Et merde, putain, j'en ai marre. Gagner des étoiles, les perdre. Et ainsi de suite. C'est chiant. Oh là là. J'ai l'impression que cette saison, elle est plus dure que les autres là. Ouais, je trouve qu'il y en a pas énormément. Alors, voyons voir le classement.
Donc là c'est platine, platine. Alors diamant. Hop hop hop. Saga, yes. Ah ouais, il te faut plus qu'une étoile pour passer diamant 3. Petit Ludo diamant 2. Ouais, c'est ça, on se tire un peu la bourre, c'est ça, à une ou deux étoiles près. Mais c'est bien, moi j'aime bien parce que comme ça, tu vois, je regarde tes lives. Ouais, c'est sympa. On avance. C'est sympa, moi c'est pareil. Avant, j'avais plein de gens d'autres légions dans les amis et je comprenais plus rien, donc du coup j'ai fait un peu le ménage. Donc là, au moins, il y a quasiment que les gens de la légion, donc c'est plus sympa. Comme ça, on voit direct parmi les poteaux qui sont au-dessus, qui sont en dessous. Ok. Moi, je suis content, j'ai eu Pandore. Ouais, tu l'as eu rapidement. Putain, j'ai eu en 100 poules. Ah, mais oui, exact, c'est toi qui avais posté le truc tout à l'heure. Ok, ouais. Le premier, j'ai dit, allez, je fais. Après, j'ai eu direct. Ok, bon bah, je dis rien. Ça fait plaisir, 100 poules, putain. Tellement rare ça. Ça m'est jamais arrivé, je crois, d'avoir un perso en moins de 100. 100 ou moins de 100. Bah, du coup, ça te met bien, tu gardes pas mal de gemmes pour le Lucky Cat du mois prochain. Bah, là, je suis nickel pour le Lucky Cat. Là, t'es toujours. Du coup, tu fais une session GD aussi là? Ouais, oui, en même temps. Tatar. Yes. Tof, ça va bien. Diamant 3, 2 étoiles. Ah, Tof. Ouais. Je regarde le live vite fait. Merci de nous rejoindre, ça fait plaisir. Qu'est-ce qui m'a. T'inquiète, j'avais déjà mis le pouce bleu et tout. j'ai vu ça. C'est cool. Allez. C'est cool. Allumera. Le café. Tof, multi de l'amitié ou quoi? T'es fou. Non mais ils ont changé ces gars-là. Mais non frère, j'ai pas changé. Frère, multi de l'amitié, 10 gemmes par jour, ça fait 300 gemmes dans le mois, frère. Ça pique. T'as combien de gemmes là? Moi j'ai plus rien, je suis. J'ai 100 gemmes, frère. Ah voilà, ça va. Ça va quoi, le Lucky Cat, c'est demain, frère. C'est pas demain, c'est la semaine prochaine, c'est dans 15 jours. Ah oui, mais alors quoi? Et le premier, tu vas me dire le Lucky Cat, c'est dans 3 semaines et le truc. En plus, j'en veux pas de cette Pandore là, tu vas me faire poule sur cette merde, j'en veux pas. Mais toi, tu es en. En 3 coups, tu lâches à quoi, toi? Ouais, mais justement, je vais faire la multi de l'amitié, je vais la voir et je vais être obligé de la monter. J'ai des tomes bleus, je vais les mettre dedans. Ah ouais? C'est un bon scénario, ça, mine de rien. Ah ouais. Allez. Oh, mais Saga, tu viens aussi. Il a plus besoin. Et alors? C'est pas ça le problème. J'ai lui en 100 poules. Un multi de l'amitié, les gars. Allez, Tof. Attends, je vais lancer le jeu. Non. Voilà, Tof. Voilà, là, je te reconnais. Moumra, je sais que j'ai déjà fait la multi de l'amitié avant avec Elrond. C'est pas grave. Non, mais c'est parce qu'il a rien loot avec Elrond, donc il veut tester avec moi, tu vois. Non. J'ai loot un Milo. Non, pas un Milo, un Afrout. Ah. Ah putain, y'a un Iki GC, il va me saouler. D'ailleurs, ça veut dire que maintenant le Milo GC il est dedans. Non, je crois pas. Bah, je pense pas non plus. Ah, hein. Attends, il y a eu un rerun. Non, il disait qu'il y a eu un rerun, mais c'est un rerun où il est tombé pas dedans, quoi. Ah le bâtard. Ouais, je sais, Mumra, je sais, je suis faible. Mumra, viens poule avec nous, toi, au lieu de dire ça. Mais non, mais Mumra, il viendra pas. De quoi? Il va pas venir. Il te sous-estime. Mumra, Tof, il te sous-estime. Ramène-toi. Oui, il viendra pas, tu vois pas. Non. Non, il a dit, genre. Ah ouais, Mumra, il mourra avec ses gemmes. Il va les emporter dans sa tombe. Je garde mes gemmes jusqu'à ma mort. C'est l'héritage pour mes enfants. Tenez.
Poulet pour moi. Tenez, vous avez 10 000 gemmes, vous êtes bien. Non plus. Bah attends, le jeu se lance et je peux pas aller plus vite que la machine, malheureusement. Oh putain, je regardais pas le combat là, je viens de lever la tête. C'est un peu chaud là, non? Ouais, c'est un peu tendu, ouais. Son Iki GC. Son Iki GC RC, il m'a bien niqué. Ouais. Ah ouais, il faut de buter par contre. Hein. Bon, de toute façon, il a pas de mana pour le lancer. Et là, le problème, c'est que. Il reste encore le Milo là. Commence à descendre le. T'as plus ton afro? Non, je l'ai utilisé. Okay. Bah là, il faut compter sur Pandore, quoi. Bah là, t'inquiète. Pourquoi on n'a pas les... C'est con, ça? Par contre, son G-Canon, il va... Ouais, le GK, il va faire mal, ouais. Ouais. Par contre, ce qui est bien, c'est que là, tu vas envoyer Nao grâce à son Milo. Ah non, il a fait que deux coups, putain. Pas de chance. Ah, elle part maintenant, Nao. Voilà, c'est déjà bien. Ouais, par contre, il va me finir là. Il va te finir Thanatos, c'est pas grave. Putain, bâtard. Je sais pas sur qui taper là, je t'avoue. Sur Chion peut-être. Non, sur Shen. Ah, sur Shen, ouais. Oh, elle est où cette connasse? Elle est là. Voilà, vous me dites quand vous êtes prêt. Tof, tu nous fais un coup. Attends, la constelle. Elle est là, mais elle veut pas s'afficher. Mais affiche-toi. Faut finir le... Attention, messieurs, c'est attention le décompte qui va partir. Tape G-Canon. Faut finir G-Canon, là. Faut qu'il proc. Oh, t'es prêt, Kefé? Ouais, c'est bon, vas-y. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Allez. On espère. Un SS si possible. Vraiment vrai. Rien à foutre de Pandore. Eh ben, du caca bédin. Ouh, 6 shards dans la multi. Magnifique. Oh là là. Oh ouais, y'en a, ils ont de la joli, chèque. Joli. Putain, ça me fait chier que son GK, il joue avant le mien là, putain. Mais c'est pas grave, il va tuer ton. Faut juste pas que t'as de la chance et que ça propre. Frère, j'envoie une autre multi, j'ai les deux Athéna qui tombent, c'est quoi ça? J'ai Athéna en SS et j'ai Saori derrière, c'est quoi ça? C'est pas vrai. Tu vois, quand on m'écoute. Mais si c'est vrai, frère. Et après, il va un Pandore. Regarde. Ah ouais. Attends. Allez. Allez. Encore. Encore. Et 5 shards. Oh, et 5 shards de. 5 shards de pompe. Voilà. Putain, magnifique. Là, tu vois, ça, c'est la vraie amitié. L'amitié véritable, ça s'appelle ça, les gars. Quand tu m'as poussé, c'est ça, horrible. Voilà. Bon, ça m'invite à refaire une. Sa merde. Non, j'ai pas dit ça non plus. Moi, oui. C'est moi qui le dis. Ok. Là, ça me va. Tiens. Par contre, moi aussi, hein. Mumra, vas-y. Mumra, il fait 4 multi de l'amitié demain. Pop, 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 pop. Et voilà, Tanen, comment on yes. Règle ça. Du 1v1, GK contre Milo, voilà. Putain, c'était mal barré. Elle est méritée, celle-là. Tu vois pourquoi faut pas les ban, les Milo? Y'a moyen, c'est pas facile, mais y'a moyen, ouais, c'est sûr. Putain, je galère à monter là. T'avais quand même des ouais, clients, c'est pas des. Ouais, c'est pas des petits. Ouais. Là, je suis content parce que c'était une team Iki GC. J'ai pu gérer. C'est cool. Pour une fois, il m'a pas défoncé. T'avais pas Ulysse. Encore. T'es encore une Saori de merde, quoi. GG gros. Ouais, franchement. Mais non. T'as eu un S, toi. Putain,
putain, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il joue, lui? Je vais dégager. Et en plus, elle, je sais pas quand ils vont lui faire un RC, ils vont lui faire un RC de fou malade, hein. Qui? Saori? Sorry? Ouais, Bah oui. ouais. Vas-y, je tente la team PGC, allez, on y va. Les résistances, ils vont passer à 50% ou un truc comme ça, tu vois, au lieu de 36. Qu'est-ce que j'ai eu, genre? Ouais, Radamante. Merci, Kilos. Propre. Propre. Y'a plus de gem. Qu'est-ce qui va me sortir? Là, comment ça s'appelait le truc là? Tipeee? Ça s'appelait? Non, pas Tipeee. Putain, comment ça s'appelait? Une genre d'appli là pour que tu regardes des pubs. Et les gars, quand ils regardent des pubs, ça te rapporte un cent. Ah oui, ça existe plus ça, je crois. Je crois plus. C'est fini ça, ouais. Ouais, comment ça s'appelait ce truc là, ouais? Genre, tu Justement, gagnais 0, je sais pas combien de centimes à chaque fois, ouais, le visuel. Ouais. Ouais, exactement. Tipeee. Tipeee, voilà, ouais, c'est mais je ça. t'ai dit Tipeee. Ouais, mais c'est ça, ouais, Tipeee. Ouais, c'est vrai que plus personne n'en parle, ça, c'est fini ça. Dommage. Comique. Ah merde, il a Ichi le bâtard. Ichi. Ah mais n'empêche, il a. Je sais pas ce qu'il va faire parce que là il a pas de June. Ouais, mais moi je décolle derrière donc je sais pas ce qu'il va. Oui, il va quand même le faire. Oui, il va quand même le faire, oui. Attention, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, si, il va faire, il va décoller ici. Donc ça veut dire que je suis obligé. T'es obligé de taper ici. Je suis obligé de taper ici. Hein. Ah oui, sinon je vais te détruire. Voilà. Ou alors, je m'occupe de Shun GC et après je mets l'œil sur Ricky. Je m'occupe de l'œil et je m'occupe de Shun et je mets l'œil sur Ricky après. Attends, déjà de savoir s'il se transforme ou pas. Ouais, il le transforme. Il le transforme, ouais. Il la transforme. Moi perso, je le couche tout de suite. Il me tape pas, je suis désolé. Tu vois? À ta place, je le couche tout de suite. Il fait trop mal. Ouais, c'est vrai qu'il fait mal, ouais. Il Voilà. Voilà. Ah, puis je vais le finir. Oh, ça part sur Milo, magnifique. Tant mieux. Vas-y, finis Milo tout de suite. Milo ou Wiki? Milo ou Wiki? Non, Milo. L'autre, il a t'es déjà joué. T'es sûr qu'en deux boules, je le tue? Ah oui. Oui. Ok. Lui, ce qui lui reste, là, tu le tues. Et au pire, tu le termines avec ton Thanatos qui joue avant le chaîne. Ah, c'est pas. Bon. Ok, c'est bon. Alors, là, c'est. Pour info, c'est la win là. Hein. Parce que là, il joue à 4. Attends. Je mets l'œil. Il y a un Thanatos encore. Il y a Thanatos, ouais. Non. Tu le mets sur. Sur Shun, ouais. Ouais. Il y a un Thanatos en face, c'est ce que je veux dire. Quoi. Non, mais on s'en fout, nous aussi on l'a. Là, le problème, c'est qu'il va pouvoir protéger Ikki. Et au prochain tour, je vais pas pouvoir le faire redescendre. Non, mais ça, c'est pas grave. On va le tabasser là. Là, il va pas pouvoir Ichi. Hein. N'oublie pas ça. Hein. Il a utilisé une fois, il a pas de double tour pour le rejouer là. Oui, non, mais même sans l'accélérer, c'est. Ça va quand même être casse-couille. Là, faut taper, faut essayer de buter le Shun. Le Shun, ouais. Ouais, le Shun. Tu vas réussir à le buter parce que ta colère elle est haute. J'espère juste qu'il te nique pas ta colère là avec son attaque. Que ton AoE elle part pas. Bah là je fais le skill à 2 sur lui là, je le tue là. Ouais. Mais le problème c'est que. Oui, magnifique, en plus t'es chargé, tu vas faire super mal. Là le suivant tu le tues, ouais. Voilà. Bon. Le gars c'est. Magnifique. Elle est belle. Magnifique. Là je vais soigner. Je vais soigner Jun. Bah il va décoller au prochain tour. Mais oui, je peux choisir PGC. Ouais, bon, comme tu veux. C'est pareil, là, normalement, t'as gagné. Ouh. Afro sur Thanatos. Trop tard. Non, c'est bon, je joue avant lui. Mais en fait, il va s'enlever ton Afro. Ah, il va s'enlever. Là, le problème. Oui, il va s'enlever. Parce que tu y aura deux persos cachés.
C'est pas grave, c'est quand même la win. Bah, je sais pas, hein. Bah, bien sûr. T'as encore une vie avec ton G-Canon. Non, c'est mort, regarde, il va gagner, c'est foutu. Putain. T'as ton PGC encore? Non, mais PGC, non, mais PGC, va pas le tuer en un coup. Je vais pas le tuer en un coup, ouais. C'est foutu. De toute façon, t'es obligé de l'envoyer. Ah non, 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 attends, tu peux gagner, vas-y. Parce que n'oublie pas, si là tu fais assez mal et qu'après il te tue, avec le contre il compte avant, je crois. Non, non, non. C'est attends, lui. On va voir. Bah, c'est non, c'est la logique, c'est, ouais, c'est celui qui tue en premier. Putain. Dommage. Bah attends, c'est quoi qu'on a fait là comme connerie là? Bah. On a mal le jeu. Ah, je sais. Dernier tour, fallait pas envoyer PGC. Je sais pas, j'avoue. Parce qu'en fait, regarde, fallait pas envoyer PGC, comme ça on cache Thanatos. Et il a une cible quand même. Il a PGC qui est au sol. Là, PGC, il est en l'air. Oui, oui. Donc quand la boule, elle a tué G-Canon, elle est obligée d'aller sur Thanatos. Et après, ouais, on a perdu. Ouais, ouais, ouais. Ça aurait donné un peu plus de chance que la boule, elle parte ailleurs. Bah, elle serait allée automatiquement sur PGC. Et PGC, au moins, elle aurait mis là, le compte. Bon, tu m'as dit l'autre jour qu'il est pas monté ton compte. Ouais, il est pas très monté, ouais, mais bon, ça aurait fait quand même un peu de dégâts quand même. Après, si t'en, voilà, si t'en avais pu jouer après derrière. Ouais, ouais, t'aurais gagné. Là, c'est nous, on a mal joué. Ah, Kilouz, c'est même pas, c'est nous, on a mal joué. Voilà, ouais. C'est nous, on a fait une coupe. Ah, Dédale, c'est le mec de l'autre Légion là où on a fait le mini tournoi. Qu'est-ce que je lui banne à lui là? Je vais lui banner son Chenades pareil. Allez. Je ressors la même. Vas-y, je ressors la même, on va voir. Tant que je peux la jouer, c'est rigolo. Oh non, il va me sortir une team chinoise ou quoi? Mais tu sais que je la jouerais encore plus agressif, moi, hein, perso. Je mettrais Athéna dedans ou quelque chose comme ça pour proc un assist rapide. Oh, je joue avant son Artemis, c'est parfait. Par contre, je sais pas qui je vise. Regarde qu'il n'y a pas de dragon avant de aussi de taper dessus. Son yoga, son Artemis. Artemis, ouais. Eh oui, fume là, fume là. Si t'arrives à la fumer tout de suite, c'est mieux. Le problème c'est qu'il est très rapide, il y a son Ulysse, son Shiji. Enfin, le temps que mon GK joue, il aura le temps de mettre une raise ou un heal. Je pense pas que je la tue avec deux assists. Ah, et puis en plus ça se. Ah, puis il me manque un cristal. Oh non, mais laisse tomber, c'est la catastrophe là. Elle est hyper tanky ça. Bah oui, non, mais en plus j'avais. Regarde, en plus il, à cause de ça, il manque un cristal, je peux pas lancer June. Ah ouais, t'as mis un cristal. Non, c'est mort. Laisse tomber. Elle est compliquée à jouer la team PGC, c'est stratégique. Attends, c'est pas totalement mort. Il y a des mondes où Thanatos fait régner la loi. Ouais, c'est le shérif du haut de tes bois. Bah, laisse tomber, il fait tellement mal. Oh là là. Ah là, c'est trop. Ouais, c'est trop. Je suis d'accord. Ah, il m'a fait la zermi. Putain. En plus. Ça fait trop mal, tu m'étonnes. Non, là, j'avais aucune chance, il était plus rapide. Majou ne pouvait pas jouer. Mais. Tu vois? Là, il faut un perso rapide qui fasse proc PGC là dans cette combo. Là, faut que t'as, je sais pas, tu montes une Athéna à non, presque 700. Mais... Tu vois, comme ça, tu proc l'assist d'Athéna. Non, mais ouais, mais enfin, qu'il y ait une assist qui proc rapidement, mais une ça suffit pas. Il en faut au moins deux, plus après GK. Même mon GK, il jouait derrière 3 ou 4 de ses persos. Ouais, mais là, si t'avais juste Athéna en plus de Kiki et de June, serait déjà beaucoup mieux. Après, peut-être t'as un autre perso là, comme ça, j'ai pensé à Athéna, parce que c'est là. C'est, on va dire, assez. Elle a quoi, elle a 300 de base, un truc comme ça, Athéna, je pense. Ouais, elle est plutôt rapide, ouais. Ouais, non, là, c'était pas la. Bah voilà, il est. Il a des bonnes opties, le gars.
Ouais, la vitesse, elle t'a niqué. La vitesse. La vitesse plus Shijima. Ah, il a fait du sale, l'enfoiré. Même son hypnose, il m'a tapé en coup blanc, le bâtard. Même son hypnose, il m'a fait la zermie en coup blanc. Non, mais justement, parce que son hypnose, il a combien de vitesse? Regarde un coup. Non, mais il est ultra rapide. Voilà pourquoi il le joue. Tu vois, à la base, 700. Il le joue même pas pour ses skills, il le joue juste parce qu'il joue vite. Il a 700, ouais. Voilà, tu vois. Non, il est balèze. Galère, galère. Un espagnol, tiens. C'est que je suis encore en train de poule depuis tout à l'heure. Non. T'as déjà main finie ou quoi? Non, mais une case magasin. C'est pas faux. Bon, là, il joue qui, lui? Ah putain, il joue Hypnos. Il croit bien, il avait bien 0 G, mais il a fait 450 poules aujourd'hui. Ah putain, ouais. Ah, il a détruit le magasin. Après lui, il lui met tapis vert dans le magasin. Tapis rouge plutôt. Le magasin il ferme quand lui il rentre dedans. Mais oui, il privatise la zone et tout, frère. Il privatise la zone, il met un périmètre de sécurité et tout, frère. Ah ouais, le café et tout. Tranquille. Il y a un pigeon, il lui chie sur la pompe, il y a un mec qui vient, il lui essuie direct. T'inquiète. Fakir, c'est même pas lui qui va au magasin, c'est le magasin qui vient chez lui. Lui, il n'y a pas de click and collect, frère. Non. Oh, Stegus, comment ça va? Singus. Singus. Sort demain, là. Ouais, normalement, il sort demain, je crois. Il a trouvé sa petite maisonnette. J'ai oublié de cacher Araya, putain, pendant que je discutais là. Fais chier. Moi je pourrais le reverse, mais. Il va être allergique au blanc maintenant, Singus. Ah, mais là t'es déjà. T'as déjà perdu là. C'est gentil. Merci, c'est rassurant. Non, mais, mais faut qu'on précise que Singus il sort de l'hôpital, hein, pas de la prison, parce que yes, demain liberté. Il dit. Faut qu'on précise qu'il est pas au HEPS. C'est ça. Ok, attends, je vais voir sur Miam Miam. Juste mis quelques poules et je vais voir. Ah, fumier. Cette musique. Ouais, ça me parle, ça. C'est quoi comme chanson, ça? Da da da. C'est ça. Alors, il va me reverse quelqu'un ou pas? Non.
même temps, ça sert à rien. Ouais, ça doit être son pyjama, Tanen. Il y a tout. Ouais, t'as remarqué, j'ai toujours le même jogging et le même pull, ouais. C'est ton pyjama. C'est obligé, c'est ton pyjama, frérot. Attends, je suis seul tout chez moi, je me mets tranquille. C'est ma tenue du soir. C'est la tenue du soir. C'est ta tenue Power Ranger en fait. Quand il va se coucher, il se transforme en super-héros. J'avoue, c'est pas le plus. Je te rejoins, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy, je suis d'accord. Heureusement, t'es en peignoir. Je te jure que je suis avec un peignoir. J'ai tendance à oublier qu'il y a du monde qui peut me voir, ouais. Qui est fait en mode peignoir. Un jour, je vous ferai la surprise, je viendrai. Un de ces cas, je mettrai costard, chemise et tout, là. Je me mettrai en mode présentateur. Tu te mets. Bah, ça, il faut que tu le fasses quand. Tu sais, quand est-ce qu'il faut que tu fasses ça, genre? Faut que tu le fasses quand tu fais ton. Le prochain chapitre de. Ah, la prochaine review. Le deck ouais. Pourquoi pas. Prochain chapitre. Hop. Et puis tu dis, voilà. Tu dis, je me suis habillé en costard et tout, là, parce que j'ai eu quelques remontrances. On m'a dit que j'étais en pyjama. Ah. Bah oui, tu représentes Franck Leboeuf, hein, frérot. Normalement, c'est bim bim. C'est vrai que Franck Leboeuf, il est toujours bien habillé. Hey. Mais qu'est-ce qu'il est con. C'est du cœur. Ah, Franck Leboeuf, c'est quelque chose. Hein. Mais oui, mais on dirait pas Tanen, regarde, il a pas un air de Franck Leboeuf, frère. Il est blanc et il est chauve, quoi, c'est tout, ça y est, c'est Franck Leboeuf. Mais non, il a un air, arrête un peu, tu reconnais-le. Je rigole. Toujours voulu voir le Grand Prix de Monaco. Mais moi, il veut voir Stéphanie, oui. Comment elle s'appelle la princesse là? C'est quoi son nom, la nouvelle là? Je sais pas du tout. Bah, je sais pas, il y en a une. Bah, c'est la nouvelle. La femme du prince. Bon. On connaît juste grâce de Monaco. Ouais. La nageuse. Attends, comment elle s'appelle? Elle est jolie en plus, je trouve. Comment elle s'appelle cette. La nageuse. Je sais pas qui c'est la nageuse. Bah, c'était pas la femme du prince, quoi. Ouais, bah oui, mais d'accord, mais je vois pas qui c'est. Ouais, mais quand je dis la nageuse, parce que je crois que c'est une. C'est Charlène Whitstock. Ah, c'est beau, je vois, c'est laquelle. Une brune. C'est une... Non, elle est blonde. Ah, bah. Bah, ça dépend. Ça dépend des mois, ouais. Je repose le terrain. Ça dépend. Moi, je crois que surtout que ça dépend des jours, frère. Parce que tu peux te partir le lundi matin, ta femme, elle est brune, et tu rentres le lundi à 17h, elle est blonde. Après un petit tour chez le coiffeur. Bien intérêt à dire que t'es jolie avec ta couleur, parce que ça va pas le faire sinon. Moi, perso. Allez. Yes. Diamant 3, 4 étoiles. Diamant 3, 4 étoiles. Ouais. Je mets la pression. Bah attends, tout à l'heure t'étais diamant. Attends, faut que j'aille vérifier ça là. Mais il y a zéro pression, Tanen, il y a zéro pression. Diamant 4. Allez, laisse-le. Tu mens, t'es diamant 4. Laisse-le. Ouais, fais un peu tir. Je peux faire un stream toi sinon. Mais gros, il y a zéro pression. Mais oui, oui. Oui, bah c'est toujours plus sympathique quand c'est comme mais ça. Oui, mais il y a zéro pression, c'est Saga, c'est Gdal, c'est bon. C'est pas terrible. C'est bon. Moi et Saga, on avance à notre rythme. On laisse les autres partir. Ouais, on laisse les autres partir devant et on les rejoindra plus tard. Une fois qu'ils auront plus d'essence, on pourra y aller, on leur passera devant. C'est tut ça. Tut. Alors. J'ai bien envie de ban son Shun GC. Ma ban Artemis.
Et bah tu sais quoi, allez hop team PGC, on retente. Je force. Quand je me serais trop fait défoncer. Hein? Il reste encore 40 minutes. Ouais mine de ouais. Ça c'est l'avantage quand même de l'heure d'été, c'est qu'on peut. On profite plus du GD. Ah, parce qu'on est en décalé aussi. Bah oui c'est pour ça ouais. Plus c'est bon. Mais quel fils de. C'est pas faux. C'est quoi ces vitesses là? C'est n'importe quoi. Oh, il joue June, merde. Putain, je me suis fait niquer là, je crois. Non. Bah, c'est mieux le soir, ça dépend pour qui. Parce que. Pour les gens qui bossent pas, c'est mieux de jouer le midi. Parce que le midi, t'as les mecs qui bossent et ça peut être des gros joueurs. Et puis les mecs, ils ont pas le temps de jouer, donc toi tu joues. Putain, fais chier. Et le soir, c'est un peu plus compliqué, je trouve, parce que les mecs, ils pensent le DG. Ah, mais attends, ton PGC, il fait pas assez moins, gros. Bah, je fais ce que je peux. C'est pour ça que je te dis ça. Montre ça. Attends, je vais te le montrer. Bah moi, honnêtement, je pense pas que je puisse faire beaucoup, beaucoup mieux que je lui ai mis là. Sur qui je mets l'œil là, putain. Mais je comprends pas pourquoi tu t'as Aphrodite comme dieu dans cette équipe. Pourquoi tu mets pas un Ares? Ouais. C'est ça, ça se tient, ça se défend. Parce qu'à chaque fois, ça te complique la game, la June, là. Tu arrêtes la June, après t'es tranquille, frère. Tu la restes avec ton GK ou avec ton Tana, comme tu veux. Ouais, je vais essayer avec Ares, effectivement. Ah, tu vois, regarde. Oui, Mumra, tu l'as déjà dit sur d'autres lives, c'est bon, on a compris. Oh là 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 là, excuse-nous, comment il s'appelle l'entraîneur de Rocky Balboa là? Mickey, oh, excuse-nous, Mickey. Non, regarde typiquement pourquoi je joue Afro. Tu vois, par exemple, là, Pégase est retombé. Je peux jouer Kiki, mais je peux pas jouer. Son GK est plus rapide, donc là, typiquement, il peut me défoncer PGC avec son GK. Ouais, mais même si tu perds PGC, frère, ta strat, elle est pas pourrie parce que t'as encore pas mal de DPS, t'as encore GK, t'as encore Tana. Ouais. Et bon là ça va être compliqué de toute façon, à partir du moment où j'ai pas pu tuer June T1, ça commence à se compliquer. Ouais mais c'est ça tu vois, c'est qu'en fait là, ça serait déroulé autrement. Prochaine fois que je la ressors, je change et je teste. Parce que même si PGC il meurt, quand PGC il meurt, il peut faire un meurtre en face. Hein. Mais c'est que le skill où il monte en l'air le gars, il est pas monté le mien. C'est le skill 4. Ah ouais, il est à combien? Non, il est à 1. Non, il est à 2. Mais 2 c'est rien. Pour qu'il soit efficace, ouais. Faut vraiment qu'il soit à 5. Ou alors à 4. Déjà, s'il est à 4, c'est pas mal. Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Et ouais, tu vois, même Kilouz il dit pour ça, t'as reste avec Thanatos, tu vois. Ou GK. Ou Thanatos ou GK, quoi. Pandore, elle a pas envie de heal, ça l'intéresse pas. Ouais, mais tu vois, moi je le joue en épée Damoclès, Kali, mon PGC. Et on m'a dit que c'était pas top, parce que c'est sur le premier impact que tu fais du dégât. Après, sur le second, ça normalement, fait moins mal. Normalement, il y a eu des tests à l'époque, ils disaient que ça proc pas sur les assists, ouais. Ah voilà, tu vois, ça proc pas sur les assists, donc c'est pas bon. Non, mais c'est que en vrai, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, une team PGC, c'est compliqué. Si on n'en voit pas plus que ça, c'est que c'est pas si efficace que ça. Sinon, tout le monde la sortirait. Bah si, ça peut être efficace, si t'as un PGC full 5, si t'as... Tu vois, ça peut être efficace. Mon pote, je te garantis que... Alors, regarde, on l'envoie en Jamir quand même. Hein, ouais, mais le Jamir, c'est différent, je pense. C'est que là, en GD, ouais, mais... en face, t'as tous les meilleurs persos du jeu, c'est surtout ça. Ouais, mais gros, ouais, mais Tanen, je te garantis que Elsie, il nous sort sa PGC en BV, tu fais pas un plus, là. Ouais, mais Elsie nous sort n'importe quoi, il nous sort une team Black Saint, peut-être on perd, gros. Voilà, tu vois, donc.
Ouais, mais non, là on parle. Ouais, mais c'est parce que là on parle de la team PGC, on dit que c'est compliqué, mais non, si t'as les bons persos qui vont avec. Non, mais déjà, il faut proc plus vite les attaques. Ouais. Après, voilà. Un autre perso rapide qui est au-dessus de 700 pour proc que. En fait, en gros, quand tu... on arrive ouais, à... donc en fait, en gros, quand tu joues la team PGC, il faut que toute ta team joue avant la team d'en face. Ouais. Non, pas toutes. T'as 4 persos, tes 4 premiers, tu vois, ils soient au moins au-dessus de 700. Après, voilà. Là, on arrive. Là, je tombe comme des gars maintenant, ils sont chauds, ils ont des bonnes optis. T'as, regarde, lui, il est immortel, niveau 70. Ah mais ça je comprends pas le matchmaking. T'es diamant 3, tu tapes un immortal 5, c'est quoi ça? Putain, je galère, je bloque à diamant 3, 3 étoiles. Quoique si je gratte une étoile tous les jours, au bout du compte. Mais non mais c'est ce que je te, tu vois, c'est ce que je te dis, c'est qu'en fait avec la, c'est le niveau de ta box. Avec le niveau de ta box, tu peux pas aller plus de diamant 3, 3 étoiles. On verra, on fera le bilan à la fin du mois. Il reste encore, il reste quoi? Il reste 15 jours encore? Vas-y, on va voir, on verra. C'est les 15 derniers jours où tu peux monter. Ouais, on monte plus facilement les derniers jours que. C'est vrai. On verra. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je ne monterai pas légendaire, ça c'est clair, mais peut-être. Imo 5, allez, je vise Imo 5, ouais. Bonne soirée, frérot. Là, si tu bannes. Bonne soirée. Si tu bannes Chion surpli, dans la première compo, il va mettre Shiryu GC, et dans la deuxième, il va mettre Chun GC. Bah, je banne Chion surpli quand même ou pas? Non, 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 mais non. Moi, oh, j'ai ce que tu veux. Vas-y, j'ai ban Milo, allez. Fallait que je me dépêche. Bah, tu sais quoi, moi je sors Artemis dans ce cas-là. Ah, mais si tu rejoues PGC, oublie pas de changer le jeu. Non, non, là je sors la team Artemis. Là. Où est-ce qu'elle est, June? Elle est là. Ah, tu l'as passé, elle est là. Voilà. Et là, on est bon. Vas-y, je teste comme ça. La PGC, quand tu rajoutes un ADN, déjà, ça change tout. Hein. J'ai déjà dit. C'est vrai, mais j'ai du mal en ce moment, je le sors plus chez Nadez, je sais pas pourquoi j'ai. Est-ce que tu le bannes? Ouais, déjà. Non, mais tu sais, après, c'est normal, là, au fil du temps, tu fais tourner un peu les persos. Le mois dernier, je jouais complètement différemment. Là, je vais protéger mon chien. Donc il va. Normal. Moi, je pense qu'il va activer son Shiryu. Pas encore, il peut pas. Il a pas assez de mana. Oh, il est dégueulasse son Shun GC. Oh. T'es choqué. Je vais tuer sa Artemis là tout de suite, je pense. Comme ça, il pourra pas jouer. Bah oui, je suis choqué. Un Shun GC comme ça, il respecte pas le gars. Est-ce que j'essaie de tuer Shun GC ou Artemis? Bon, moi je pète le Shun GC. Avec le Shiryu, il va être chiant après le Shun GC. Il va tanker. Salut. 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 C'est... Je crois que c'est Belzébuth. C'est Ruby Pierre. Ruby Pierre. Oh, c'est Ruby Pierre qui peut parler plus fort. Le petit, il fait pas dodo. Et s'il fait de l'eau. Putain, je le tue pas, j'y crois pas. Oh la gueule. Là, il l'a pas caché, il est débile. Mais non, il a caché Araya. Ah, ok, bah je vais le finir. Je vais mettre l'œil sur. Je vais mettre l'œil sur GK. Eh ben dis donc. Oh, oh les gars, vous avez entendu ça ou pas? Non, j'ai pas entendu. Oh, il y a un mec qui a été condamné à verser 60 000 euros de dommages et intérêts à sa femme. À sa femme pour toutes les tâches ménagères qu'elle a faites pour lui pendant 30 ans. C'est pas vrai, c'est vrai. Si, c'est au Portugal, frère.
Mais c'est quoi cette affaire de ouf là? 60 000 euros de dommages et intérêts parce qu'elle a passé le balai pendant 30 ans. Mais c'est parce qu'il devait la... il avait dû en faire une esclave ou un truc du genre, parce que sinon c'est pas... Non, c'est grave, c'est la le mec... Non mais attendez, il y a moyen que le mec il pète les thunes et ça rentre dans ce qui lui doit parce qu'il divorce, tu vois. Bah c'est chelou ça. C'est possible. Non mais il devait y avoir autre chose, parce que t'assignes pas quelqu'un parce que t'as fait le ménage. Non mais par exemple la meuf elle arrêtait de travailler, tu vois, et elle avait un taf, et au final 30 ans, non 30 ans de taf ça fait pas 60 000 euros, ça fait beaucoup plus. Non c'est pas ça. Hein. Pas de pression, diamant 2, une étoile. Pas de pression. Toujours pas de pression. Putain... Il manque un heal dans cette team, fait chier. J'aurais dû tuer ça Artemis, putain, et ça m'a cassé les couilles, c'est double tour là. C'est une première en Europe, les gars. Voilà, il y a déjà eu le cas en Argentine et en Chine. Oh là là, attention les gars, là, ça arrive. Gare à nos fesses. Ah ouais, alors passez, alors quand votre femme elle vous dit de passer d'aller faire la machine, faites-la les frérots, parce que ça peut coûter cher la machine. moi je trouve le mieux l'article. L'article, c'est un article de l'année dernière, je pense, ou il y a 2 ans. Un homme a fait croire à sa femme qu'il était sourd et muet pendant 62 ans. Attends, tu rigoles, mais il y a un gars, il a fait mieux que ça, les c'est mecs. Il y a un gars, c'est un boss. Quand sa femme a demandé le divorce, la femme a j'aurais mis Kiryu dans la cage. Kiryu, il est physique. Là, t'as pris un cosmique. Ouais, mais je suis fini, là. De toute façon, je peux pas gagner, là. J'ai déjà l'œil de Thanatos. Il y a un gars, il a fait payer la moitié du loyer à sa femme pendant genre 40 ans, tu vois. Alors que là-bas, il était à lui. Ouais. C'est un génie, lui aussi. Tu sais que tu viens de faire une dinguerie, Tanen, parce que là, je regarde à moitié. Mais t'aurais mis le bouclier sur Thanatos, ça aurait tué Thanatos. Enfin, c'est lui. Ah, mais dans ma tête, j'avais déjà perdu, là. Ah non, mais t'avais pas forcément perdu, en plus. Hein. Mais cette équipe-là, il manque un heal dans cette team-là, c'est ça qui m'a... Mais oui, il n'y a pas de heal, il n'y a pas, okay, tu me diras, lui non plus, il n'en avait pas. Hein. Il n'en avait pas non plus. Non. Moi, j'enlèverais June. Moi, tu vois, j'enlève June et je mets Ulysse. Bah, vas-y. J'ai Artemis, Ulysse, Jekka, Kali, Jima, Thanatos. Vas-y, bah, je te... Pourquoi non. Parce qu'il aura pas, il va pas assez tanker. Avec les persos... Quand tu mets Ulysse et June, je vois pas l'intérêt. Pourquoi tu mets les deux? Non, mais c'est l'un ou l'autre. Non, moi je lui ai dit d'enlever June. Moi je lui ai dit d'enlever June. Oui, là c'est dans l'idée de la mettre à la place de June, ouais. Non, il faut quelqu'un qui heal en passif là. Il faut pas quelqu'un qui va utiliser deux. Ouais, tu veux qu'il mette Shanades en fait, quoi. Ou Pandore. Mais Pandore, c'est qu'il me l'avait ban, c'est pour ça. Bah Shanades. Parce que pour info, si tu cumules les deux, si tu cumules Shanades et June, ah, tu deviens très très dur à descendre, hein. Je te le dis. Oui. Tu mets juste un Thanatos dans cette équipe, ça veut dire que tu tankes. Et en même temps, ton Thanatos il fait du sale en face, fais-moi confiance, c'est déjà violent. Donc là, je pourrais essayer de mettre Shanades à la place de Chion dans cette team, pourquoi pas. Ou un petit Hypnos aussi. Et ton Shanades, il est bien monté? Ouais, Hypnos aussi, ouais. Shanades, ouais, ça va, ouais. Il y a un 54, je crois, son Shanades. Ah, il a un Iki. Oh, je banne son... Bon, après, je sais pas si le Hypnos Satanen, il est bien monté, parce que c'est vrai qu'Hypnos... Non, Hypnos, il est pourri. Il en passe quoi, tout pourri. Ah oui, non, parce que je l'ai eu la dernière fois, là, je l'ai même pas monté. Il est 1-1-1-1. Vas-y, on teste Shonades. Je mets Shonades à la place de Chion, vas-y, on y va. Tu vois, du tanking gratuit là, c'est ça qu'il faut qu'il te manque en fait. Un truc qui coûte rien. T'as encore appuyé comme une. Shanades, June. Ouais. Vas-y, on va tester comme ça. Ouais. Là, tu vas tronquer. Hein. Shanades, June.
Ça m'arrange parce que du coup son GK était rapide. Vous faites quoi pour son OGC? Bah là en fait regarde. Là où Thanatos il va le. Là où Thanatos il va le dévoiler. Ouais, mais s'il fait la OE, il a foutu l'œil sur quelqu'un d'autre. Artemis, il aura remis sur Artemis, c'est obligatoire. De toute façon, il va l'envoyer là-haut. Il va l'envoyer parce que l'autre, regarde là, il va jouer double coup, donc il va l'envoyer. Il va charger Thanatos. Parce que Shijima, il va jouer. Shijima, il va peut-être le buter. C'est, on compte sur ça. Hein. Il faut le dépop aussi, ouais. Ah ouais. Là, je tue Artemis tout de suite. Là. Comme ça, je les gâche et double tour. Enfin, si j'y arrive, c'est pas. C'est pas dit. Voilà. C'est pas dit que j'y arrive. Ouais, mais essaye, t'as raison. Ouais, j'essaye. Ouais. En plus, t'es bien là, pour une fois, y'a personne qui va débuff. Y'a pas de Pandore aussi en face, donc. Ah yes. Tape sur quelqu'un d'autre, sur quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Ouais, ouais, voilà. Yes, yes. Tu vas trop vite. Et je t'avoue que là on est bien. Je vais t'expliquer pourquoi on est bien. Bah, le problème c'est clair, regarde, il a caché Chion. Non mais c'est pas grave. Là je mets l'œil sur qui là? Je mets l'œil sur comment il s'appelle? Sur Hypnos. Non? Vas-y. Comme il joue deux fois. Oui, deux. Oui, vas-y. Ouais, vas-y. Par contre, tu vas prendre l'œil tout de suite. C'est ça que t'as oublié. Hein. Et oh, il va te faire très très mal, je pense. Non, il est pas chargé. Ouais. Heureusement. Non, mais il y a eu le debuff. Il avait pas ouais, son. Sa barre de rage aussi, elle était pas. Elle est qu'à la moitié. Double le mec endormi là, Shijima. Ah merde, j'ai doublé GK. Mais non, il a déjà le double. Là, il a doublé GK pour pouvoir faire GK dans le. Merde, putain, ouais, j'ai pas pensé. Des fois, je te jure, je suis. C'est pas grave, ça arrive. On va pas se mentir, hein, je suis pas un pro du. River Stana. Heureusement qu'il y a Shenades pour tanker un peu là. Ouais, tu River Stana et en plus, ça enlève le bouclier de Chion. Bah le bouclier il est sur Non, le bouclier il est sur Hypnos, je suis un gogol ou quoi. Bah j'aurais peut-être dû reverse Hypnos du coup. Non, si ah non, t'aurais enlevé ton œil. T'aurais enlevé ton œil. Là tu pètes le mur avec GKDOT. Il va se prendre son œil dans la gueule, non? Non, il va péter le mur avec GKDOT, t'inquiète pas. Il faut absolument que je pète le mur. À moins que le mec est malin et il a un décélérateur ou je sais pas quelle connerie, il arrive à ralentir la GKDOT. Mais à part ça, sinon il est cuit. Ouais, enlève le bouclier là. Hop le boubou. Ça fait trop mal l'éthique d'hypnose là. Bon, ça va. Les gars, en vrai. Attends, calme-toi. Trop tard. C'est bon, le bouclier a sauté. Ouais. Oui, mais il a déjà joué. Ouais, mais regarde, je me fais puiser ma vie. Petit à petit, même si je tue Hypnos, bah, il reste trop de persos en face. Bah là, tu perds les attaques de Shijima, parce que là, avec Shijima, tu tuais quelqu'un, tu vois. Ouais, le skill sur... Allez, là, tu le tueras pas. Ouais, non. Sur lui, vas-y, Hypnos. Faut essayer quand même. Tu vas le réveiller. J'aurais essayé de pouetter Milo. Non, la barre elle est trop petite, il l'aurait pas tué. Putain, il a remis le bouclier. J'aurais essayé Hypnos, moi, tu vois. C'est le seul que tu pouvais peut-être tuer. C'est chaud. C'est foutu. C'est foutu, les babies. Putain. Eh oui, les carottes sont cuites. C'est une galère ce GD, c'est un truc de ouf. Leur Thanatos il te fait beaucoup plus mal que ce que ton Thanatos il fait, je trouve. Non? Attends, j'ai pas entendu le début, tu disais? Ton Thanatos il fait beaucoup moins mal que leur Thanatos. Alors je sais non, pas. Non. J'ai pas regardé en quoi il jouait, parce que moi je le joue pas en branche, peut-être qu'il faudrait que je le passe en branche. Ah oui, mais faut des branches, on t'a déjà dit. Mais t'as pas de vitesse dessus, tu m'avais dit, c'est ça?
Après, je peux jouer un Thanatos un peu plus lent et passer en branche. Hein. Ah, mais les branches, ça se range énormément. Tu as une branche pourrie avec de l'attaque dessus, c'est mieux que Canon Cosmos avec triple attaque pay, gros. Ouais. Bon, bah, me voilà retourné à la case départ. Est-ce que je tente, après toute cette série de victoires, de défaites, de continuer? Attends. Là, on n'était pas concentré à fond dedans. Vas-y, on va remonter au moins. Ça, voilà. Regarde, là, je vais monter les choses. Vas-y. Les gars, on remonte minimum. Là, il reste 30 minutes. On remonte minimum. Non, mais le truc qu'il y a, c'est qu'il faut qu'il y en ait un qui lui dise quel mouvement faire et les autres, ils se taisent. Non, parce qu'on peut avoir tous la bonne idée. Bah non, on peut pas avoir tous la même idée parce qu'à chaque fois, on n'a pas tous la même idée, justement. Team musicien. Tu veux que je banne Pharaon? Tu veux que je banne qui dans l'histoire là? Thanatos, Hypnos. Moi, je banne Pharaon là-dedans. Banne Thanatos. Thanatos? Bah oui, comme ça, je suis. Ah, mais Thanatos, tu vas te le banner à toi aussi. Bon, je banne Hypnos, vas-y. Hypnose. Ok, donc là il m'a ban Artemis. Il m'a ban Artemis. Est-ce que je jouerais pas une team Shiryu à l'ancienne, genre un truc comme ça là? Ouais, c'est pas mal. Après, le truc c'est que j'aurais joué à Raya là, moi perso. Parce que là tu vas te manger plein de debuffs. Joue à Raya. Araya. Là, il manque GK. Voilà. Un truc du genre. Voilà, ça se fait très bien. Avec Ares. Ares, t'as Aphrodite, ouais. Vas-y, bonne soirée, bonne nuit. Yes, Angus. Good night. Bon, ouais, vas-y, on Stégus. Tente. C'est Stégus, les gars. C'est pas Saint-Gus, c'est Stégus. Stégus. Je me suis toujours demandé comment on prononce. Ouais, parce que moi aussi je disais Saint-Gus comme vous et je me suis fait reprendre, on m'a dit non, c'est pas Saint-Gus, c'est Stégus. Ok, autant pour moi. Alors il y a la team Musicos en face, je crois que je l'ai jamais affronté cette team, ou alors il y a très rarement. Bah c'est beaucoup RNG en fait cette connerie. Bah écoute, pour l'instant il n'y a pas grand chose à faire. Par contre je comprends pas, il a pas Yoya quoi, c'est quoi son bordel? Non mais là il y a, ouais, on va voir comment ça se passe. Il y a moyen que je dorme, ah ouais, parce que là, je là, dorme en fait, toute la game. Là en fait, tu vois, tu vas subir la game. Ça va te dégoûter parce qu'en fait, le gars. L'avantage que j'ai, il c'est va faire que j'ai. Que des dégâts. Ouais, il mais l'avantage que j'ai, dégâts, c'est que j'ai Thanatos dans l'équipe quand même. Donc il peut se réveiller et faire. Bon, après. Mais non, mais c'est pas ça. C'est qu'après, t'es tranquille. T'as Araya, il va te débuff plein de fois. Normalement, je suis pas trop mal avec Pandore, Araya. Parce qu'Orphée, il va mettre des marques partout. Alors, c'est pour ça que j'aime pas jouer à Ares. Je vais mettre l'œil sur Orphée, je crois. Bah oui. Ouais. Mais là, le truc de Pharaon, en fait, lui la balance, elle penche du côté cœur que quand tu utilises du mana. Tu vois là, regarde, ça m'a marché parce que t'as mis le lien de June. Ouais. Donc t'as utilisé du mana, donc ça a fonctionné. Est-ce que ça sert à quelque chose que je fasse un Akala tout de suite ou pas? J'ai rien à. C'est le point. Ouais, je dirais non. Non, t'as pas stacké, tu mets ta flak. Je mets la flak sur. Allez, Pharaon. Sur Orphée. Ah, sur Orphée. Mets tout sur Orphée, quoi. On voit tout sur Orphée, quoi. Ah, non, parce que. Ouais, mais Pharaon, il fait un peu de dégâts quand même, de temps en temps, lui. Il a déjà l'œil, Orphée. T'as un bon Shaka? Shaka V1, ouais, il y a moyen que je fasse que je m'en sorte, ouais, avec lui. Putain, merde, il m'a endormi Afro. Il est toujours vachement en métal. Mais non, mais il peut purifier Shaka Raya, non? Ah non, bah non, c'est pas à lui de jouer, je suis con. Même s'il y a une Pandore, on peut pas silence la Pandore et puis. Ouais, c'est vrai que je. C'est vrai que je pense pas. Ça bloque la Pandore et le chemin des en même temps. Et en c'est plus... pas faux. Et oublie pas d'Arès. Attends, oh, oublie pas d'Arès avec ton GK Sajoud. Voilà, bien joué.
Ouais. Faudrait que je vois ce que je peux lui mettre comme speed chacun. Je le grand plus chacun, il est assez rapide en plus. Bah oui. Bah déjà que quand Orphée va s'activer, il va morfler. La team en face, ça va morfler. Vous avez l'expérience de jouer chacun, même s'il y a des joues ou des pandores en face. Ouais, moi je la joue, moi je le joue chacun. Et dans ce cas-là, est-ce que tu fais comme moi? Est-ce que tu silences la Pandore dans ce cas-là? Non, moi je silence June. Donc c'est après, c'est pas prendre le risque que la Pandore elle heal plus. Bah non, parce qu'en fait, après, bah c'est. Tu stratégies plutôt de DPS quoi, plutôt que de couper le heal, c'est tout. Ouais, bah en fait moi je pense que tu peux t'occuper de, tu vois, tu silences June et après je pense que le problème Pandore il est beaucoup plus facile à régler, tu vois. Ok, sans doute. Heureusement que t'as mis un Raya dans l'équipe. Grave. Après y a Tana, si y a Tana aussi hein. Si tes persos sont rapides, Ruby, tu vois, tac, tu silences, t'as ton GK derrière, hop, tu peux fumer la Pandore et puis après bah le problème est réglé quoi. Franchement, s'il se perd ce match, c'est vraiment abusé. Ouais, c'est bon, je l'ai éclaté. Rien que Thanatos dans cette team, ça fait la game là. Thanatos, ce que je t'ai dit quoi avant, tu mets June et Shen. Après la team elle est bien, mais c'est parce que t'as Arès, la June, il savait qu'après c'était fini, tu vois. Ouais, ouais. Dit... Non mais c'est vrai que la team musicien... Il a voulu ça. Oui, il y avait Araya, il y avait Orphée, machin, il mettait des marques, machin, Araya, il purifie, puis c'est parti, quoi. Il a voulu s'amuser avec, il a raison, hein. De temps en temps il faut sortir les équipes avec lesquelles on a envie de jouer, mais c'est vrai que... Ouais, bah, il a voulu jouer beau, Je pense pas qu'il puisse avoir un bon win rate avec ça quand même, ça me paraît... un peu léger. Non, il a voulu jouer fun. Oui, non, mais il a raison. Fun. C'est comme quand moi je sors la team, d'autres teams un peu bizarres. Après, il était niveau 65. Hein. Donc je pense qu'il a la team musicien, il devait être fan et. Ouais, c'est ça, ouais. Regarde ce qu'il joue avant ban. Putain, il joue la team ADS de merde. Il y a un peu la même team en. Ban rune. Je lui ban rune, ouais, je suis d'accord. Il joue dans les deux. Ouais. En plus, rune qui booste Araya, c'est juste une catastrophe, c'est l'enfer. Donc là, t'as ban Tana. Bah, ban Tana, bah, je vais mettre Araya. Ouais, voilà, tu laisses cette team-là, tu mets Araya, voilà. Donc là, tu veux que je mette Ares en dieu. Ouais, là, tu mets Ares, ouais. Ok. Parce que s'il te sort une June, lui aussi, bah, au moins, tu le. Allez, on va voir. Putain, j'ai explosé le ratio de pouces bleus là, ça fait plaisir les gars là. J'en ai jamais eu autant, je crois. Bah, c'est stylé, tant mieux. Oh, t'as vu la harpe de Pandore, elle est stylée. Waouh. Ouais, c'est parce qu'il a une tenue, c'est un skin spécial là qu'il a mis. Ouais. Elle est pas mal cette tenue. Ah, j'avais pas fait attention qu'elle était aussi bien faite. Ouais, elle est bien. Ouais. Ça change du flamant rose. Mais y a pas un problème d'affichage là, ces persos, Pandore et Athéna, ils sont pas avancés par rapport aux autres là. Regarde, on dirait les deux autres qui sont au front, les quatre. Bah regarde, qui sont les miens c'est pareil, ceux du milieu ils sont derrière. Ouais, je sais pas, c'est un effet optique peut-être de ma télé, je sais pas mais. J'arrête son Shun GC, je crois. Ouais, bah oui. Ouais. Trop fort pour que tu puisses. Ouais, vas-y. Parce qu'après, ça va être tanky avec le Shun. Enfin, avec le Shun. Je vais voir si je peux tuer. Ouais, focus le Hypnos, il a raison, Kali. Tape-toi sa tronche. Ah, mais hop, le second coup, tu le mets pas sur lui. Bah, de toute façon, il est mort. Ah, bah voilà, bah d'accord. Second, je vais le mettre. Regarde sur Pandore, ouais. Sur Pandore. Sur Pandore le second. Ouais. Putain, il prend cher, il doit pas avoir. Et je trouve qu'il prend bien cher, il doit être peut-être un petit peu en dessous.
Regarde, il a pas Sion pour descendre les dégâts, tu vois. Il a pas. Regarde la tapette. Oui. T'as vu la tapette, comment il s'est fait caca dessus? Il l'a caché direct. Est-ce que je commencerai pas à taper le Shiryu? Bah non, il va poser son. Bah non, il va te mettre des retours de flammes. Ouais, ouais, et puis de toute façon, il va mettre le bouclier, ouais. Mais de toute façon, après, tu t'en fous, tu peux le reverse. Oui, 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 après, je peux le reverse. Ouais. Ouais, mais faut le reverse au bon moment, faut pas faire le con. Par contre, là, il a quand même une sacrée. Là, j'ai pas Pandore, hein, faut pas l'oublier, ça risque d'être un peu compliqué quand là, même. Là, tu double tour GK. Double tour GK. Non, non, le double tour pas GK. Tu veux que je fasse tape quoi sur quelqu'un. Ouais. Tape sur Athéna. Tu vois, ou sur Shen, comme tu veux. Double tour ton Shijima, peut-être. Ou alors non, tu tapes direct. Non, moi j'aurais fait double tour. Bah parce que comme ça au moins tu peux mettre quelqu'un un peu dans le mal. Mais il a déjà un double tour avec Artemis. Ah oui, c'est vrai, putain. Ouais, t'as raison. Est-ce que je reverse tout de suite le Shiryu et j'essaie de le tuer? Je vais tuer Shiryu, je crois. J'essaie de tuer Shiryu. Vas-y. Moi, tu sais quoi? Moi, tu sais quoi? J'aurais reverse le Shiryu. J'aurais reverse le Shiryu. Ou je tue la Pandore. J'aurais tué le Shen GC. Je tue Pandore. Non, ah, oui, ah bah oui, il a mis le Ares, enfin l'Aphrodite sur quand. Ouais, ouais, c'est bien joué. Continue de taper sur Shen. Ouais, sur Shen. Shen ouais. Ah oui. Il... Ouais, le Shen. J'ai le Milo. Ok. C'est le problème, non? C'est Shen le problème. Parce que là, il reste pas FPS. Ah ouais, mais le problème, c'est qu'il non-stop aussi. Il a trop de debuffs. J'aurais dû tuer Shiryu. Il avait pas de debuffs, j'aurais pu. Non, mais les gars, de toute façon, le Shen, ça posait pas un problème. Parce que le Shen, il était Ares. Regarde, j'aurais pu le finir. Ouais. Ouais, mais il a raison, il a Ares, non? Bah oui, j'ai dit de la reste le Shen avec GK. Ah, la question, est-ce que vous voulez pas qu'on voulait pas qu'il meure? On voulait qu'il utilise ses 3 de mana, comme ça l'autre il en a pas. Ouais, je le finis. Moi j'aurais préféré tuer Shen, comme ça Milo il est plus défendu. Et oui. il aurait tué. Mais oui, mais je pouvais pas parce que Shen il est au max des debuffs et elle va se faire entre chacun de mes coups. Mets la flaque sur Shen. Tu veux que je mette la flaque sur Shen? De toute façon, il est Ares là au prochain tour. Il est Ares de toute façon au prochain tour. 8. Athéna, elle peut finir quelqu'un et c'est elle qui aurait peut-être ulti. Est-ce que je. Ouais, vas-y, je tape Athéna. Allez. Ouais, putain, Pandore a fait chier. Faut que je lance les AK là au prochain tour. Quoi, j'ai rien à debuff moi. Ah si, il va me poser des marques là. Oui, il est qu'à 3 hein, pour l'instant. Ouais, heureusement parce que après ça va piquer. Regarde Sophie après. Ah si, non, tu peux pas parce qu'il va être caché. C'est pour ça que j'aime bien le Shaka V1 quoi, parce que au moins t'es sûr que. Allez, je repose le terrain. Je mets June, double coup et. Ton GK il va partir tout seul, c'est normal. Fais chier. Et je comprends pas quand il la Pandore. Il y a des fois tu comptes sur son heal, il tâche 0 heal, tu vois, alors que pourtant il a des debuffs. Ouais, mais parce que là t'as vu au-dessus de lui, là t'as vu au-dessus de lui, il a un rond avec marqué 3 et un bouclier brisé avec marqué 3. Et à partir de qu'il y a 3, à partir qu'il y a le chiffre 3 avec le même debuff, à heal en permanence. Ouais. Elle a déjà la marque, Pandore, tape sur Shen. Et Pandore va me casser les couilles toute la partie là. Non, mais c'est fini, je pense que ça va pas tarder à finir. T'as encore une possibilité avec ton. Tu m'as envoyé ton AK là, ça peut faire mal. Le problème c'est que c'est Milo qui commence à me faire peur là. Ouais, mais. Hey, Milo, ça dépend comment il est en skill. Pandore maintenant. Parce que tu vas commencer à avoir 3 marques sur tout le monde, elle va commencer à heal dans tous les sens. Là tu vois, elle a pas heal en permanence, là elle a pas heal. Putain, il manquait plus qu'un coup là. Voilà. Bordel. Parlez trop vite, Ruby. Ouais, j'aurais bien voulu qu'elle heal.
Bon, faut que je tienne jusqu'au prochain tour. Je pense que le prochain tour d'Akala, il risque de faire mal. Milo. Mais de toute façon, tu vas tenir, hein, parce que voilà, vise Milo, faut le descendre à lui. Là, il a 7, il a 7 cristaux, là, je vais prendre cher. Il va passer en AOE sur ce tour-là, je pense. Ah non, mais regarde, là, c'est fini. Ah oui, merde, il est déjà déclenché. Là, c'est fini. Je vais prendre trop cher. Ah, mais... Il reste combien? Bah si, non mais là, c'est terminé. C'est terminé. Et là, ouais, là, voilà, c'est fini, le stalo. Hey, Milo, quand tu... Le mec, il a fait un 1v6, il a fait la game à lui tout seul, quoi. Putain. Oh. Catastrophe, ce perso. Ah, mais ça, pour et ça, Milo, il a dû faire 100%. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'aurais dû tuer Pandore. J'aurais dû tuer Pandore dès le départ. J'ai pas été malin. En fait, finalement, Hypnose, il était pas si dangereux parce qu'il y avait pas June. Donc, j'aurais pu m'en occuper plus tard. J'aurais dû tuer Pandore tout de suite. Je pense. Non, et t'aurais emmerdé Artemis et tout. T'as bien fait le début. Le début, c'était bon. C'est le coup que t'as mis sur Chilou dans le vent. Après, je suis pas sûr que le début, il était bon, parce que si tu mets les gens dans le cauchemar avec Hypnose, ça aurait peut-être permis un stacker d'Araya. Ça aurait peut-être permis à Araya de stacker. Bon, après, c'est compliqué de refaire les matchs comme ça après coup, mais... Oui, je sais que c'est compliqué de refaire les matchs après coup, mais au moins, tu peux déceler les erreurs que t'as faites. Oui, bien sûr, oui, mais c'est vrai que... Là, c'est vraiment l'exemple typique du Milo qui te retourne une game, quoi. Ça rend ouf. Là, c'est le cas d'école, quoi. Bah, la dernière fois t'as pris le popo RC dans la tronche, et bah là on a pris Milo dans la tronche. Il y a longtemps que je m'étais pas pris un Milo qui fait la game comme ça. Milo, je sors direct au Fucus. Ouais, bah oui, pour Ulysse. Vas-y, je vais dégager. Je me dis que je l'endors. Ah, il joue beaucoup de contrôle lui. Faut que je dégage soit Yoga, soit Ayak, un des deux. Il va me saouler avec ça sinon. Vas-y, Yoga. Ouais, je vous laisse parler parce que c'est important là. Ouais, important, vite fait, on va dire. Ah bah tiens, je vais rentrer Tana à la place de Ryan. Une baleine apparemment contre qui tu joues là. Ah ouais, ouais. Tu prends Kali, une baleine. Il a dit tu prends une baleine, courage. Attends. Il a dit tu prends une baleine, alors autant prendre des loups. Mettons, qui joue avant ou après ta Pandore? Qui ça? Ulysse. Non mais Pandore a les bannes déjà. Michi il joue avant ou non, après Michi, Ichi, j'ai plus Ichi, c'est fini, j'ai plus la team Ichi là. Bah non, il a assez pris dans la gueule, c'est bon. Mets PGC à la place à... Tu veux jouer la team PGC? Dépêche-toi, il y a 15 secondes. Hein. Mais non, fallait laisser la team que t'avais, tu mets juste PGC à la place à Sean. Là on veut juste des mecs qui jouent vite pour faire des auto-attaques. Merde. On veut des mecs qui jouent vite qui jouent après Artemis. Là c'est une baleine, tu vois. Trop tard, je sais plus. Bon. Je suis perdu. Attends, alors, tu veux que je mette PGC dans cette team? Non mais ça s'est jamais vu PGC dans une team Artemis. Si, ça marche. Bien au début. On est les nouveaux explorateurs du monde nouveau. Non mais là, regarde, c'est vrai faux. Ton PGC l'aurait joué en 2, t'aurais eu donc 3 persos qui jouent avant soit Artemis, peut-être tu la tues. Par contre, ça Artemis elle est très bien placée à jouer juste derrière Majoon, ça veut dire qu'à un moment donné il va pouvoir me la reverse et me faire la misère. Au niveau des vitesses, ça c'est chiant. Vas-y, j'essaie de tuer ça. Attends. Je tue. Je tue tout de suite Artemis si j'y arrive. Vas-y. Je vais Ares. Je vais Ares Sean. Et tu mettras l'œil de Thanatos sur Sion. Ouais. Ouais, ça va. Et oui, tu mets l'œil sur Sion, parce que vu que t'as Ares le Sean. Continue de la taper cette fois-ci. Alors, on veut qu'elle crève vraiment là. Ouais, bon, c'est déjà ça de gagner. Et n'oublie pas de double tour ton Shijima, parce qu'il jouera pas le prochain tour. Yeah.
Koto. C'est l'erreur que t'as faite tout à l'heure. Ouais, ouais, ouais. Oh là là, heureusement qu'on est là, les sparring partners. Ouais, enfin n'empêche que j'ai pris bien cher là. Oui, t'as pris cher, mais écoute, ça peut peut-être que tu peux gagner quand même. Hein. Oh. Bon, l'avantage là, c'est que son Milo va bouffer les cristaux pour Arya, pour son Afro. Ah bah quoi qu'il est en, s'il est en Félina. Ah, il a compris le coup, hein. T'inquiète, il a compris le coup. Il est pas en Félina, il est en serpent à deux corps. Oui, oui, non, je parlais de Milo. Ah ouais. Ah, attends, Shijima, il va rester en vie, c'est bon. Ok. Tu sais ce que tu fais? Je reverse... Attends, je reverse Tana et je le tue tout de suite. Ouais, c'est ça. Voilà. Par contre, Boone, tu fais pas là, tu fais pas là, truc, hein. Tu fais pas le lien. Tu fais pas le lien, tu tapes. Ouais. Tout le monde, si tu fais le lien. Non, tu fais pas le lien, voilà. Voilà. Allez, Shijima. Que je te disais avec PG, c'est juste pour pouvoir faire des deux pour attaque rapide. Gouna après il va faire plaisir. Kijima il va faire plaisir, papa. Ouais, là faut qu'il le termine avant qu'il AOE ce bâtard. Hein. Ça aussi. Allez. Allez, bam. Bam. Voilà, c'est ça qu'on veut. Ou attends. Une auto pour soigner. Non, pourquoi? Pourquoi t'as fait ça? Bah, tu veux que je fasse quoi d'autre? Bah pour pas aller sur Aphrodite, s'il envoyait sur Aphrodite, il prenait cher. Mais va l'auto-attaque sur Aphrodite et tu le tues. Avec deux coups? Non, c'est pas possible. Bah pas deux coups, quatre coups. Ouais mais même il restait, je pense qu'il lui restait trop de vie. Bah, ça commence à... ça va être un peu tendu hein, mine de rien. C'est pas en plus lui qui joue. Tu le tuais gros. Bon Artemis là, elle est morte de toute façon. Mais... Mais bon, on est bien. Voilà, la reste là que je comprends pas, moi, et ben voilà, elle va nous foutre dans la merde maintenant. Bon, il va le tuer peut-être, avec un peu de chance. Mais non, avec il va les... pas le mettre dans la merde. C'est pas, c'est... Regarde, papa, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Bah là, il y a pas de deux coups là. Ça y est, il a joué, c'est fini. Attends, je vais mettre les portes sur je mets les portes sur sur Afro. Vas-y. Oui, oui, très bien. Attends, Thanatos qui va jouer. Tu le mets sur sur Attends. Option. Attends, je fais le ou alors je garde le mana pour doubler GK peut-être. Ouais, mais garde le mana. Pourquoi tu veux toujours mettre le 2? Garde le mana. Ouais, ouais. Parce que si tu envoies ton AOE trop rapidement, tu vas baisser la vie de ton Aphrodite. Donc forcément, tu vas taper plus fort. Enfin, mais bon, je en vrai, je pense qu'il est quand même mieux. Il a de l'avance sur moi, je pense, au niveau des persos. Combien il a de mana en haut? Je vois pas, moi. Le truc, c'est qu'il va se faire fort. Ah, putain, là, il y a l'autre équipe. Ouais, non, c'est mort, c'est mort. Ah, ils sont... Ce FDP Milo, putain. Milo, quoi, encore. Putain, mais lui, c'est vraiment le MVP. Ça, tu comprends pourquoi à un moment donné je voulais ban Milo non-stop? C'est à cause de ça, tu vois. Il est trop dangereux ce perso. Mais juste au Fucus au pire. Si t'as une bonne compo au Fucus. Parce que tu lui mets. Ouais, tu t'en fous. Mais là, faut que je rentre. Ouais, faut que je rentre. Si je ban pas Milo, faut que je rentre au Fucus pour le. Qui sort du. De... C'est après, c'est en duel sacré que je le fais. Mais en fait, des fois, je m'en fous qu'il y ait des morts. Je mets carrément venin. Je fais exprès qu'il y ait un mort comme ça, lui, pendant deux tours et demi, il joue pas son Milo GC. Ouais, mais en DS, tu peux pas jouer comme en DG. D'accord. Mais après, la strat, oui, la strat, elle est pas dégueulasse en même temps, c'est vrai. Ouais, mais la strat, elle marche si tu fais pas tuer ton Ulysse. Ah, mais ouais, si c'est ça, si tu fais pas tuer ton Ulysse. En général, le mec, il va te viser le Ulysse. S'il est pas bête. Ulysse. Hein? Bon, allez. La W. Là, le dernier. Le Kevin. Ouais, mais il a double vie, mais si je te tue, ton secret il s'enlève. C'est vrai. Il croque pas. En général, il pense que on met réanimation ou je sais pas trop quoi, tu vois. Oui, mais ça, c'est une raison de plus pour te buter. Bon, en tout cas, il est pas con. La baleine, elle est pas passée loin là. C'était chaud pour lui quand même. Ouais. Bah, tu sais que là, le PGC, on gagne. Je pense, parce qu'on tape avant. Tu vois? Si tu veux lancer un match, c'est maintenant ou jamais. Bah en fait, j'hésite parce que là, tu vois, j'ai qu'une étoile. Non, je crois que ça va être jamais là. Ça va être jamais. Ouais.
Vas-y, je tente quoi. Bon, mais on tente une dingue. Allez. Vas-y, je lance. On est là pour jouer. Vas-y. Vas-y. On tente une dingue, oui, gros. Kono tenyuse garuda no ayakusa. Et Hack, il me fait penser à Stevie dans Tekken quand il bouge comme ça. Et Hack ? À Steve. Ouais, à ouais, Steve ouais, il dans a, Tekken, ouais, hein, clairement, il a une tenue de perso de jeu de combat, ouais, de fight, c'est clair. King of Fighter. King of Fighter, ouais. Ouais, King of Fighter. Si tu mets un Shunji, non, je dis plus rien, c'est pas le moment de parler. Vas-y, dites-moi, je banne qui dans l'histoire. Mets un chaka, mets ton chaka, mets le chaka là, mets un chaka frère. Donc je banne Chion. Je banne Chion, allez. Ça va jouer fou la face. Il m'a banne Tana, donc vas-y, dis-moi qui je mets. Mets PGC à la place à Tana. Merde, attends. Montre les vitesses, tu vois, juste avec les vitesses. Mais pourquoi il y a Shura là? Non, non, mais c'est que j'ai bugué au niveau là. Ensuite. Attends. Voilà. Attends, je regarde les vitesses. Vas-y, décale vers la droite. Vas-y, parce qu'après. Montre ton perso le plus rapide encore, y'a qui? Bah, y'a. Non, là, y'a du temps là. Vire. Y'a Yoga, Yoga GC. Il est aussi à 700? Un peu moins, 680. Bah, y'a qui? 680. Bah, ouais, dépêchez-vous, il reste 20 secondes. Mais à la place à June, on est en full attaque là dans ce combat. C'est n'importe quoi, je vais manquer carrément de. Là comme ça. Ouais, mais oui, mais y'a Sean. Ça c'est une team inédite, mon gars. Ouais, allez, vas-y. Comment tu peux prendre. Et là tu peux prendre la team improbable. Et en plus, j'ai pas de cristaux. C'est pas grave. Magnifique. Ça va faire quoi de... Oh là là. Et eh, franchement, si tu gagnes avec ça, la vie de ma mère, je comprends pas. Putain, on n'a pas de fait démarrer. C'est n'importe ouais, quoi, mais c'est n'importe quoi. Ok. Au prochain tour. Je sais pas trop quoi faire, je vais pas te mentir là. Je vais taper. On s'en fout. Bah oui, là, tu t'en fous. Voilà. Attends. Oh là là, qu'est-ce que le PGC si t'avais eu la. Pourquoi je peux pas. C'est quoi le délire? Attends, ah oui, non, c'est sur elle. Putain, j'ai eu peur. Je comprenais pas. Faut mettre le terrain. Ouais, ouais, non, mais c'est que le terrain, tu peux le mettre que si tu cliques sur elle. Je cliquais sur PGC, c'est pour ça. Ouais, bah tu vois, avec ta stratégie là, t'aurais mieux fait de la jouer en sans stress. Hein. Comme ça, au moins, tu lui aurais baisé la gueule à l'autre là-bas là. Non, parce que là, le problème, c'est que imagine. Regarde, là, je peux tuer quelqu'un là. Je tue qui? June. J'essaie de tuer June là, sinon elle va me saouler. Ouais, vas-y. Yoga, il a une dent dragon ou pas? Ah, il est en décel. Ouais, mais après, ah, regarde, j'ai pas de perso AOE après, ça veut dire que je vais faire que des dégâts de mono-cible et avec Jude, ça va. Sans Yoga, il est plus rapide que le sien. Sans Yoga, il est plus rapide que le sien. Oui, en plus, ouais, 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 en plus, je pourrais le geler. Ouais. Allez, fini là. Tu vois, le mec il va gagner avec une compo. Franchement, si je gagne avec ça, c'est n'importe quoi. Attends, gros, il y a Mew. Commence à taper Mew là, mets-lui des trucs dessus, mets-lui des portes, mets ce que tu veux. Non, il a rien fait sur Mew. Bah, Mew, je pense avant parce que un décalage avec la vidéo, je pense. Ouais, ah, c'est possible, ouais. Bon, là, je gèle son Shen ou pas? Non, je suis au bonheur. Son yoga, je veux dire. Et attends, Mew, il va sortir à ce tour, peut-être. Mais bah, gèle le Mew. Pourquoi tu mets le gèle le yoga? Gèle le Mew. Ouais, vas-y, gèle. C'est quoi, j'ai oublié de poser Ares avec GK. J'ai déconné, j'ai oublié. Bah, je vais le poser. Ouais, mais c'est pas grave. Après, c'est pas un drame en soi s'il y a quelqu'un de gelé dans la team, quoi. Tu vois, parce que le Mew, s'il se transforme, c'est casse-pied. En plus, il a déconné parce qu'il a gêne PGC alors qu'il va sortir après. Ça sert à rien ce qu'il a fait. Je vais arrêter son Mew avec mon. Avec ton quoi? Avec mon Shenades. Ouais, vas-y. Et là, je double. Tu doubles rien du tout. Non, je double rien du tout. Je tape GK. Voilà.
va gagner. Le mec, il va gagner avec une team. Attends, 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 c'est pas sûr, attends. Attends. Elle a aucun sens. Parce que là, n'oublie pas qu'Astou, PGC va s'envoler. Hein. En fait, Tanen, le truc qu'il y a, c'est qu'il faut que tu joues avec une équipe qui est pas cohérente pour que tu gagnes. Ouais, mais bon, ça, c'est sur un malentendu, on va dire. Ah bah ouais, mais ça paye le malentendu. Attends, c'est pas fini, gros. Hein. Comment ça... Regarde, Afro, il a quoi comme Cosmo, s'il te plaît? Il est tanky, il est en Aga et Ténacité. Bute-le. Donc j'envole PGC là. Ok. Ouais, oh sur. Ah, tu voulais, sur tu voulais que je fasse les coups blancs? Oui, oui, on va le buter là, ça y est, il faut le buter dans ce tour, sinon il va faire un scandale là. C'est clair, c'est vrai. C'est... Là, remets le terrain, on s'en bat les couilles. Je pourrais. Tu sais que je peux reverse Mew, je peux reverse Mew, il se réveille ce tour là. Vas-y, reverse Mew. Reverse Mew. T'as la pression, mon gars. Mais le problème, c'est que là, tu vas faire des dégâts. Et il va pas proc, je crois. Oui, oui, c'est deux tours, c'est deux tours. Proc. Par contre, ça m'a dégagé le RS, j'ai déconné, ça m'a dégagé. Ça m'a enlevé le. C'est pas grave, grave, je crois. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait ça sur. Il veut. C'est pour enlever le tour. Non, il est juste con. Oui, non, mais je crois que lui, non, mais je crois que lui, c'est carrément un problème au cerveau qu'il a parce que on a fait une propos ça, comme ça. Ça a servi à rien ce qu'il a fait, on est d'accord. Ah, non, les gars, c'est bon, il a misclick, il voulait descendre Shijima. Non, alors il a cru que le PGC s'est envolé à cause du fait qu'il avait doublé le PGC. Non. Alors. Non, mais la blague, je vais gagner avec cette team, sérieusement. Attends, hein. Il est où? Tant qu'on l'a pas vu. Oui. On fait pas les morts. En plus, je peux pas le geler. T'as pas gagné encore. Il y a le Mew, t'as pas gagné. Voilà, tant qu'on le bute pas, lui, on parle pas, gros. Voilà, la fée démarrer. Si on avait la fée démarrer, on aurait pu proc encore une fois PGC. Déjà, si tu l'as Artemis, le Mew va pas faire trop de dégâts. Un peu avec des morceaux. Non, le Mew, ça fait du sale, quoi qu'il arrive. Hein. Il va l'évoluer manuellement. Hein. Il va l'évoluer. Ouais. Il l'a fait sortir. Là, en un coup, il tue un Gekanon. Je sais pas ce qu'il lui a fait, mon Shonades, sérieusement. J'aime pas le Shonades. Ah, mon gars, il se rend. Yeah. Alors, énorme. Alors, énorme. Voilà. Ça, c'est... Oh. Normalement, tu fais un screen. Là. pourquoi ce match dégueulasse? Bon, en ça fait, va. Leur... Il était tellement fatigué qu'il a dit ouais, non, en fait. Ouais, ben maintenant t'es obligé. Eh ben tu sais quoi, cette formation là, tu l'enregistres et demain tu recommences avec celle-là. On lui est rentré dans la tête. Mais par contre, rajoute, tu le fais démarrer. Et fais passer le PGC après la. Après Artemis. C'est peut-être mieux. Ok, on va voir. On verra demain pour modifier un peu. Les. Bon, en tout tu cas, sais je sais pourquoi. Parce que le problème, c'est que t'auras pas de mana si PGC il est en 1. Tu vas envoyer le PGC et après tu vas du pouvoir faire propre. C'est clair. Ah putain, cette blague. Et bon, bah, ouais, GG les gars, franchement, ça fait plaisir, c'était cool. Et bah, écoutez, ouais, je vais y aller tranquille. Sur cette victoire magnifique, ça, je vais faire des beaux rêves là. Ouais, attends, dédicace à Kali pour cette victoire qui croyait pas en nous. Kali, il est resté juste sur vous pour voir si j'allais lose ou pas. Bon les mecs. Ouais, attends, t'as vu, c'est passé. Hein. Vas-y. Bon, vas-y. Allez, héros, à demain. La Légion, les viewers de YouTube. Ouais. Bye, good night et à bientôt. Allez, bye tout le monde, les frérots, à demain.